Oh là là, porteur, il est chaud. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est en forme, que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Nous ça va, hein, on tape des streams de fou, on tape des vidéos de fou, j'espère que vous kiffez en tout cas, j'essaye de vous mettre bien. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Paf Sauver l'équipe. On va essayer aujourd'hui de sauver Washington Wizards. On a du boulot de ouf, on va essayer de faire du sale, on va essayer de faire du bon boulot. Je vous rappelle que l'idée des Paf Sauver, c'est de prendre une équipe qui est dans le caca, d'essayer d'en faire une équipe qui est plus dans le caca. Et évidemment, le petit bonus, le petit truc en plus, c'est d'être champion NBA. Du coup, on est avec les Wizards, les mecs, on se dépêche. Et d'habitude, je fais des intros qui durent un milliard d'années, frérot. Là, je me suis dépêché, frère. On n'a pas le temps à perdre, on a trop de boulot. Alors, on va voir déjà, pour commencer, évidemment, l'équipe. Alors, évidemment, on est sur Touquet, donc les gens ne sont pas blessés. On a donc John Wall. De toute façon, on va le trade. Dans l'idée, ce serait mieux, pour être le plus réaliste possible, de le mettre blessé, mais on va le trade. En plus, il a chuté au niveau de sa note, c'est un truc de ouf. On va le trade directement, ça c'est simple. Déjà dans la vraie vie, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire tout de suite. En plus là, quand la saison reprendra, il devrait plus être blessé, je crois. Je sais plus ce qui s'était fait, les tendons, un truc comme ça, ou deux trucs à la fois. C'est un joueur que je kiffe à la base, mais voilà quoi, malheureusement, voilà. Il n'a pas eu de chance. John Wall, Shabazz Napier, Ish Smith. Ouais, en vrai, à la base, c'est lourd. Franchement, meneur, backup, à la base, c'est lourd. Ensuite, le top du top, Bradley Beal. 27 millions l'année. Gary Payton, 2 Matthews Robinson. Robinson qui se fait crosser tous les jours. Bradley Beal, voilà, hein, c'est Bradley Beal, c'est archi lourd, frérot. Ensuite, à l'aile, on a Troy Brown Jr., Isaac Bunga, Schofield, Prison Break, on est ensemble. Et Bertans, Devin Bertans, Hachimura. En vrai, Hachimura, c'est lourd. En plus, c'est un rookie, contre un rookie, tout ça. Et Bryant aussi, c'est lourd. En vrai, on a une équipe. Ouais, en vrai, au top de la forme, c'est le feu de ouf. Hein. Au top de la forme, c'est le feu de ouf. Mais voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est le Gricos, comment tu vas? Salut à tous ceux à qui j'avais pas dit bonjour. J'espère que vous allez bien, tout le monde. On a commencé le Paf Sauver, installez-vous tranquille, ça va être lourd. Ça va être archi lourd, merci à tous d'être là. Et puis kiffez, voilà, kiffez tout simplement. On a du boulot en plus ce soir, donc on va commencer direct par... Ah, il a une clause. Non, il a pas ça. Il a pas une clause... Ah non, clause résiliente. C'est lui qui peut... Attends, j'aimerais bien voir son contrat, je peux pas le voir en détail. 3 années burn. Alors il a... Close, non, ça va, il n'a pas de clause d'intransférabilité, ça c'est bon. Mais il a une clause résiliation, je ne sais pas si ça veut dire quoi. Mais par contre, il prendra 47 millions de dollars. Et là, il prend 38 en ce moment, c'est absolument incroyable. Donc c'est bon, on peut le trade. Alléluia. J'ai cru qu'il avait une clause d'intransférabilité, j'ai un peu flippé. On a aussi Yan Mainmi, les gars, qu'on va trade. Ça, c'est... Non, on ne va pas le garder, les gars, je suis désolé. Je le kiffe, hein. Franchement, la personne, je le kiffe, le joueur, je le kiffe. Mais frérot, être payé, enfin... En fait, je parle en tant que MJ, des Wizards dans le jeu, ok. Être payé 15 millions de dollars pour être sur le banc, c'est chaud, tu vois. Je suis désolé, mais on est en reconstruction, c'est le but des Pafs Soblet, du coup c'est tendu, tu vois, frérot. Yo, The Paf, comment tu vas avec tes 550 abos magnifiques, la vie incroyable, Corost, incroyable, je te jure, incroyable. Après, ça veut pas se mettre à jour au-dessus, là, c'est relou. Mais ouais, c'était incroyable, les mecs, je vous remercie. Là, le but maintenant, c'est de monter tranquille au 600. Mais évidemment, n'hésitez pas à sub de vous-même, les amis. Il y en a qui ont fait des preuves de générosité absolument incroyables. Et ce serait absolument dingue de monter plus haut, évidemment. Il y a des nouveaux emotes, on en parlera tout à l'heure. On va avoir des nouveaux emotes, tout ça, il va falloir y réfléchir. Du coup, on va pouvoir en parler ensemble. Mais gardez vos idées pour l'instant, parce que là, je vais me concentrer sur le game, sur le Paf Sauver. Du coup, je ne vais pas voir vos messages si vous me dites des idées d'emotes et tout. Donc gardez-les et on verra ça tout à l'heure. Et si évidemment vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à follow, ça coûte rien. Vous me soutenez juste en étant sur le stream déjà. Et si vous voulez vraiment faire un petit plus, avoir des avantages en plus, bah lâchez votre petit sub, hein, pour l'exclamation sub, pour l'exclamation Twitch Prime. N'hésitez pas à le faire de vous-même. Il nous manque à peu près un peu plus de 100 subs, mais de vous-même, que par Twitch Prime ou par sub, je parle pas de donation de sub, hein, je parle de vous-même pour passer en palier au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, ce serait vraiment incroyable. Même si ce qui c'est. Enfin, là actuellement c'est déjà incroyable. Là les gars, dites-vous, je suis désolé, c'est un peu long hein, ce que je suis en train de vous dire, de toute façon c'est vrai que t'as pour le montage. Hein. Mais dites-vous que là déjà ce mois-ci, le mois de mars, on est en mars, ouais. Le mois de mars,
J'ai eu un salaire, enfin vous m'avez. Là, rien qu'avec Twitch, sans compter YouTube et tout, vous m'avez. J'ai mon salaire quoi, enfin, c'est incroyable, ça m'était jamais arrivé, vraiment. J'ai toujours 2, allez, 200, 100, allez, 100 à 200 subs par mois, ça me fait 300-400 $ par mois, tu vois. Du coup, un demi-salaire, là frère, j'ai un SMIC quoi. Juste grâce à vous en fait, donc c'est incroyable. Voilà, bref, c'est tout, donc merci beaucoup les gars, j'espère que vous kiffez, installez-vous, et puis évidemment, n'hésitez pas, quand votre sub sera fini, à resub, hein, évidemment, comme ça, si je pouvais. Bon, en ce moment, bref, vas-y, n'hésitez pas, et puis on continue, vas-y, c'est trop chiant là, je suis relou là. Vas-y, let's go, bref. Du coup, les amis, il faut absolument, désolé, il faut absolument qu'on se débarrasse de John Wall, ça, c'est le truc de ouf. Voilà, il faut se débarrasser de John Wall. Ensuite, il faut se débarrasser absolument de Yalmaenmi. Je suis désolé, je le kiffe, mais il faut s'en débarrasser. Et puis en vrai, après, ça va. Il y a juste John Wall qui nique. En fait, c'est John Wall et Yalmaenmi qui niquent notre salary cap. Parce qu'après, en vrai, Bradley Beal qui prend 27, ça va. En vrai, il est vaut grave. Après, ses contrats, ils montent 28, 34, 37. Pardon. Mais après, il vaut grave. Voilà, enfin, franchement, il pourrait même être à 5-6 millions de plus. Ça serait pas. Ça me surprendrait pas. Enfin, ça serait pas choquant, tu vois. Bon, John Wall, qui veut de lui? Je pense qu'il y a du monde qui peut avoir envie. On va juste regarder déjà qui veut de lui. Et ensuite, l'idéal, c'est d'avoir un autre meneur à la place. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On va regarder les choix draft aussi, d'ailleurs. Désolé. Afficher les choix. Ah, lourd, hein, quand même. Mais en vrai, ils font tellement des saisons de merde. Ah ouais, ça va, un premier choix 2020. On a un premier choix 2021, 2022. Ouais, on a grave de choix. On a moyen d'aller chercher du lourd. En plus, on est un peu à la place du con, je dirais, pour les Wizards. Parce qu'ils ont une équipe qui est forte. Donc, une équipe qui peut jouer les playoffs, mais qui n'y arrive pas. Parce qu'ils ont trop de blessés et tout, tu vois. Donc, notre choix, en gros, il vaut rien. C'est ça que je veux dire. C'est une équipe qui sera jamais 12, 13, 14, 15e, qui aura jamais un gros pic en fait. Donc, niveau leur draft, c'est toujours des top 10, top 15. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà, il nous faut un autre putain de bon meneur pour être avec Bradley Beal. Et ensuite, ce serait bien de trade Yanmaenmi. On va faire confiance ensuite à Hachimura, qu'on va passer titulaire, je pense. Donc, il nous faudrait un poste 4 qui shoot, mais on l'a déjà. C'est Davis Bertans, donc c'est plutôt cool. Donc notre poste 4 est pas ouf, mais ça le fait. Franchement, ça le fait. Thomas Bryant, c'est pas mal. En plus, il shoot, tu vois. Mais ce serait bien d'avoir un pivot un peu plus costaud. Et je pense qu'on peut en trouver. En plus, on a des Lopez et tout, je crois. Enfin, on va trouver, on va aller voir. Il nous faut vraiment un ailier, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi là dans le chat. Mais je pense qu'il nous faut vraiment un ailier, un bon ailier, et évidemment un meneur. Donc il faut qu'on aille chercher un bête de meneur, et ensuite un bon ailier. Et ensuite, déjà, à partir de là, on sera pas trop mal, je pense. Westbrook, putain, il y a beaucoup de Westbrook. Après, c'est vrai que Westbrook, il a un jeu pas similaire à John Wall, mais c'est vrai qu'il me fait penser parfois à John Wall. Enfin, John Wall me fait penser, du moins, parfois à Westbrook, tu vois. Après, Westbrook à côté de Bradley Beal, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop, hein. Derussel le best. Pourquoi tout le monde veut D'Angelo ce soir? Non, D'Angelo c'est mort. Kyrie Ingram. Kyrie et Ingram. Danny Green, Rudy Gay. Non, c'est pas assez fort. Et c'est pas un meneur, Danny Green. Kyrie. Fox, Kuzma. Fox, on a déjà pris, du coup, j'ai pas envie de le reprendre. Les joueurs généralement que j'ai déjà pris une fois, j'essaie de changer, tu vois. J'essaie de changer un peu Damien. Ouais, mais gros, mais les mecs qui disent Damien, vous savez très bien que je kifferais l'avoir. Passe Rui Hachimura en 3. Par contre, ça c'est une bonne idée d'essayer Hachi en 3. Mais je pense que c'est un petit peu short. Je pense que c'est un petit peu short. Déjà, on peut aller chercher un gros. Bref, bon, déjà, John Wall. Qui veut John Wall? On a Tobias Harris, Matisse Thybulle. Non. Chris Middleton, Marvin Williams. Zach, non. Non, non. Rudy Gobert, McConnell, non. En vrai, Rudy Gobert, c'est pas mal parce qu'on a besoin d'un bon pivot. Mike Conley, s'il était encore au top de sa forme, ça pourrait être un bon trade, tu vois. Maintenant, Thomas Bryant, j'aimerais bien le garder. Non, 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 non. Ça aurait pu être pas mal, mais non. Kelori, non. DeMar DeRozan, non, non. En vrai, c'est pas mal, mais c'est un peu short en vrai.
C'est vraiment pas mal, hein, parce qu'on a besoin d'un bon meneur et on a besoin d'un ailier. Donc ça peut grave le faire. Mais en fait, je suis persuadé qu'il y a... persuadé. Je suis persuadé qu'avec Banks, évidemment, si on pouvait avoir Banks, évidemment, les amis. Mais je suis persuadé qu'avec Jalol, on peut choper mieux que ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, on a du choix de draft. Donc on peut aller chercher du lourd. Vraiment, on peut aller chercher du lourd. Et c'est à peu près tout. Du coup, moi, je vous propose qu'on aille essayer de voir s'il y a moyen d'avoir un petit Damien et un petit Westbrook. On va voir. Trop gros contrat. C'est vrai que le contrat est énorme. Du coup, ça sera un peu galère. Ça va faire chier beaucoup d'équipes, je pense. Je pense que Dame, c'est chaud. Je pense très honnêtement que Dame, c'est compliqué. Dame, il a une cote de malade. En plus, il a une bête de notes. Et en plus de ça, je pense que le contrat de John Wall est un peu... Non, le contrat de John Wall est un peu kiff-kiff. Donc, du coup, ça le fait. Maintenant, Portland n'a que 14 joueurs. Ce qui veut dire que je peux ajouter un joueur, mais ils ont plus d'oseille. Donc, ça va être compliqué. Donc, il faudrait compenser avec du choix de draft. Au niveau des contrats, si on leur donne John, on économise en plus 6 millions de dollars. Ce qui est pas dégueulasse. Enfin, plus, même 8. 8 millions de dollars, pratiquement 9. Du coup, c'est pas mal du tout. Trae Young. Kyrie, Donovan, Jamorant et Zion. Non, 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 ça on les garde pour un prochain passe-play qu'on fera. Je vous laisse la surprise. J'ai pas envie de prendre de rookie. Chris Paul. Chris Paul, c'est cher. Après, c'est vrai que ça fait un peu kiff-kiff. Mais c'est cher. C'est cher de ouf. Rajoute Miami et prends un de leurs choix draft. Impossible, Miami, c'est 15 millions, ils ont pas l'argent, gros. Les gars, c'est pas comme au foot, hein. Ce que je veux dire, c'est que là, il faut que les contrats soient à peu près kiff-kiff. Ou que l'argent et l'équipe qui reçoit notre joueur au gros contrat a les moyens de payer son contrat. Gratte un choix draft pour Miami et mets-le dans le trade de Wall. Mais non, il n'y a rien de logique dans ce que vous dites. Ils ont les sous. Ils ont les sous pour ce trade-là. Vas-y, on va essayer de rajouter un choix. On va voir ce qu'ils en pensent. Faut rajouter une exception. Ils refusent. J'ajoute les vieux choix en premier. Ils refusent. Si, je peux peut-être rajouter un joueur. Mais je pense qu'ils n'ont pas l'oseille. Tu vois, du moment que je rajoute un joueur, même 1 ou 2 millions, ils n'ont pas l'oseille. Du coup, je pense que ça va être c'est tendu pour lui. Parce qu'il a une trop grosse cote en fait. Par contre, il y a beaucoup de Westbrook. Je vais aller voir Westbrook. En vrai, je l'ai jamais pris dans mes paf sauvelets, donc c'est vrai que ça pourrait être tentant de jouer avec Bradley Beal sur le côté. En plus, Bradley Beal, il peut créer le jeu de ouf, mais il peut aussi catch and shoot, donc il pourrait être pas mal dans l'équipe. Mais alors, putain, je crois que j'ai passé les roquettes, ouais. Les roquettes. Westbrook 89 de gêne, ça va. 38 millions de dollars, donc au niveau des salaires, ça kiff-kiff. Ceci dit, il est quand même plus coté que John Wall, quoi. Il a quand même une étoile de plus. Je pense que ça peut le faire. Est-ce que vous voulez de Westbrook? Moi, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, en vrai, pourquoi pas? Ouais, de ouf. Franchement, pourquoi pas. Après, je peux pas satisfaire tout le monde, hein, les gars. Il y en a qui disent non, qui voudraient d'autres joueurs. Je peux pas satisfaire. L'idée, c'est de reconstruire l'équipe. C'est vrai que Westbrook, en vrai, pourquoi pas. Je l'ai jamais vu. À côté de Bradley Beal, ça peut pas être pire qu'avec avec James Harden, en fait. Simmons, non, je veux pas de Ben Simmons. C'est vraiment pas le genre de meneur que je kiffe, moi, Ben Simmons. En vrai, ça peut grave le faire. Ça peut grave, grave le faire. Par contre, les salaires, je sais pas si ça va coller. Ok, ça colle tout juste. Ça colle tout juste. Je pense que on va faire comme ça. Il faut que je rajoute un premier choix, je pense. Et ça peut le faire. Ils veulent quoi en plus? Alors, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ce qu'ils me proposent. Par contre, ils prennent mon 2021. Moi, j'ai pas envie de leur donner mon 2021. Il a trop de valeur. Je te file mon 2022. Ah, oh, il a plus de valeur encore. Putain, je suis con. Je te file mon 2023. En vrai, c'est pas mal ce qu'il me propose. Voilà la proposition des Celtics. John Wall contre Kemba. On leur file deux premiers choix. Ils me prennent en plus un petit pivot et ils me filent Enes Kanter. En vrai, ça me va. Parce qu'il nous manque justement un pivot un peu dur. Tu vois? Ça, en vrai, ça me va. En défense, c'est insulter le mot défense que de parler de défense avec lui.
Mais putain, et gros, Ish Smith, Brad Wanamaker, non mais tu me laisses Ish Smith, tu me laisses tout ça, je te rajoute un second choix et tu la fermes, s'il te plaît, ta petite bouche. Mais allez, mais wesh, mais gros, mais ils en veulent trop là. Je m'en fous de ton Brad Wanamaker. Ish Smith, tu me le laisses tranquille, frérot. Eh, il me saoule. Je veux pas te filer Ish Smith. Ish Smith, il reste chez WAM. C'est un malade. Prends mon second choix. Et taille-toi. Eh putain, c'est un relou. Eh, c'est des forceurs, mais de ouf. Eh, les Celtics. Oh là là. Hop là, on va recommencer. John Wall. Et du coup, mon premier choix 2022. Voilà, comme ça, tu fermes ta bouche. Il me propose. Et voilà, du coup, il me fait ce qu'il me faisait tout à l'heure, en gros. Ah, c'est même mieux! C'est même mieux parce que je garde un premier choix. Vas-y. Ok, c'est même mieux. John Wall contre Kemba Enes-Kanter. 1 year. Et je rajoute un premier choix 2022 et un second tour. Tout à l'heure, il me demandait un deux premiers tours. Et là, il me demande un seul premier tour. Vas-y, on accepte. Let's go! Let's go! Non, franchement, c'est cool. Je suis content de ce qu'on vient de réaliser là. Franchement, c'est lourd. On laisse les rotations se faire. Ce qui nous fait pour l'instant Kemba Walker à la main, Bradley Beal, Hachimura au poste d'ailier fort avec Enes Kanter qui passe directement pivot titulaire. Franchement, ça me va. Il va prendre le rebond et tout. Enfin, en attaque, il est pas mauvais. Bertans, Daniels. En gros, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est un bon ailier. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Let's go, baby! Merci, JKZ. Merci infiniment, frérot, pour ton sub. Franchement, merci mec de ton soutien. C'est le premier sub de la soirée en plus, frérot. Donc, je te remercie infiniment. On est à 549 subs. On a dû perdre un petit sub. Donc, merci, frérot. Je te remercie, mec. Je t'embrasse. Merci du soutien. Bienvenue dans la team PAF. Du GG, s'il vous plaît, dans le chat, les mecs. Du new sub, du resub, tout ça, s'il vous plaît. Merci, les mecs, de le faire, s'il vous plaît. Il nous faut un ailier, du coup, les gars. Il nous faut un ailier maintenant, les amis. On va déjà voir qui est chaud pour nous choper Yan Menmi. Qui a un gros contrat. Pas de patte. Bogdanovic, en vrai, c'est pas mal hein, en backup, pardon. C'est pas mal du tout. Hein. Joe Harris aussi, ça va. Let's go baby! Noah, merci frérot! Merci d'avoir utilisé ton Twitch Prime chez moi, gros! Merci mon pote! Merci beaucoup à toi, frérot, d'avoir utilisé ton Twitch Prime chez moi! 3 mois consécutifs, welcome back dans la team PAF! Merci mon pote! GG à lui, les mecs, s'il vous plaît! Merci beaucoup mon pote! Merci frérot! Gallinari, non, on l'a pris la semaine dernière, Gallinari, les gars! On l'a pris la semaine dernière, Gallinari, du coup, je suis pas trop chaud pour le prendre! Par contre, Yann Manmi, personne n'en veut, hein, putain! Après, il peut servir justement pour pencher la balance pour un gros contrat, les gars. On va aller voir les ailiers qui pourraient nous intéresser éventuellement, tu vois. Un ailier qui est bon, qui est pas trop coté non plus, parce qu'on n'arrivera pas à le pécho. Ah oui, mais c'est Kawhi. Merci pour les 200 bits. Mais les 200 bits, pardon. Jay, merci frérot. Merci mon pote. Merci du soutien, gros. Jimmy Butler serait lourd. Ah, ce serait tellement lourd de ouf. Je le kiffe. Mais la semaine dernière, vous avez vu, c'était chaud. Et 32 millions, les gars, c'est. C'est tendu. C'est archi tendu. Tu vois, il nous manque. Il a 32, il a 15. Pour faire pencher la balance. Balance. Il faudrait 15 millions. Donc, il nous faut un jeune joueur, en fait. Il nous faut un jeune joueur qui a un petit contrat, sinon on peut pas. Un ailier, un bon ailier, jeune, qui a un contrat jeune, mais enlever Brandon Ingram, je sais qu'il y en a qui vont le mettre. Enlevez-le de la balance directe. Merci Jay pour tes 300 bits à nouveau. Merci frérot. Merci mon pote, ça fait 4 euros. Je te remercie beaucoup mec. Franchement merci. Merci pour le soutien frérot, ça fait plaisir. Non, un ailier les gars. Un ailier, pas un meneur. Un ailier. Non, Collins des Hawks. Non, on a besoin d'un petit ailier frérot. Collins, c'est plus poste 4-5, tu vois. Tobias Harris, c'est trop cher, gros. Butler, le sang. Mais c'est trop cher. Tatum, trop cher. Non, Tatum, pas trop cher, frérot, parce qu'il a encore son contrat rookie.
Il a encore son contrat rookie. Et par contre, du coup, c'est Yann Manmi qui a un trop gros contrat. Mais en fait, il a encore son contrat rookie, mais il a re-signé pas du tout en fait. Il a 9 millions. Je crois qu'au début de la saison, dans la vraie vie, il a re-signé, je crois. Mais là, il a encore son contrat rookie pendant 2 ans. Donc on est large. Merci TK pour tes 200 bits. Merci frérot. Merci beaucoup mon pote. Merci beaucoup mon pote. Merci mec. Merci mec. Moi, je suis chaud pour te filer David Bertens. C'est pas du tout kiff-kiff, mais là par contre, on se fait dévaliser. Merde, putain. Franchement, Jason Tatum, pour moi, ce serait le Graal. Au poste d'ailier, à côté de Kemba et Bradley Beal. On serait trop bien. On serait beaucoup trop bien. Mais du coup, il faudrait. Là, on est obligé. Hein. Faut lâcher les premiers tours. Lui, je peux pas le lâcher. Lui, oh non, la Rux, t'es plus un frérot. Eh, voilà. Je suis désolé, les gars. Je vais peut-être tricher un peu, mais j'enlève. Ça va nous niquer. Voilà, hop là, nique ta mère. Ah, c'est vraiment une règle de merde. Non, c'est vraiment une règle de merde. Laissez-nous vendre du rêve, les gars. Laissez-nous essayer de rêver un petit peu. Laissez-nous. Je sais pas, imaginez des trucs. Imaginez des trucs, parce que là. Jay. On a dit Thomas Bryant. Et là, du coup, on met le premier choix. Je pense pas que ça va suffire en vérité. Je pense pas que ça va suffire. Salut Case. Salut à tous ceux à qui j'avais pas dit bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être sur le stream, les gars. On est plus de 550 devant ce passe au blé. Merci les mecs. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous kiffez. Thank you, pépère. C'est quoi la règle, Stéphane? En gros, c'est une règle qui t'empêche de pouvoir filer tous tes choix de draft en gros. Faut que tu puisses donner un choix draft une année sur deux, en gros. Je sais pas comment le dire. Je sais même pas pourquoi cette règle elle existe. On essaie comme ça. On ajoute une exception. Ouais, il est considéré comme intouchable. Si je te file un dernier premier. Ok, Jay est intouchable, je suis intouchable, frérot. Je leur propose 4 premiers choix, ils refusent. C'est dommage, mais c'est le genre de joueur qui peut nous intéresser, en fait. Avec des petits contrats comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Michael Porter, ça serait pas mal aussi. Ça serait pas mal du tout. Kelly Oubre, Devin Booker. Bon, allez, c'est plus en arrière. Après, c'est trop cher aussi, le mec. C'est beaucoup trop cher. John Junior, non. Griffin, pas du tout. Je veux pas du tout le Griffin. Pas du tout. Mais Porter Junior, ça peut le faire. Pas assez fort. Ouais, je suis d'accord. Mais ça peut le faire. Il est jeune. Il va se développer et il est plutôt très. C'est plutôt très très. Très très ambitieux, enfin très prometteur, je veux dire. Donc, après, là, il y a Siakam. Mais Siakam, c'est de l'int. Oh, pas si intouchable que ça, en fait. 4 étoiles. Ok. Après, on le ferait jouer ailier, tu vois. Ok. Ok, ça peut se faire. Ça peut se faire. Et franchement, un petit Siakam, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est un ailier qui aime bien avoir la balle. En plus, il vient de re-signer, donc on. Par contre, c'est mort après pour life. Hein. Je pense que c'était déjà mort. Hein, mais. Hugo Landry, jamais de la vie, frère. Prendre un papy qui prend 15 millions l'année, non merci. Donc, franchement, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je vais voir si c'est jouable. Si je fais ça déjà. Ok. Ok, on fait toujours. On essaye un dernier, j'en filerai pas un de plus. Je file les seconds à la limite. Il demande beaucoup quand même. Hein. Pour un mec qui a soi-disant 4 étoiles, frérot, je suis désolé, non mais. Après, putain, je suis con, mais. Je peux peut-être essayer de mettre un.
un autre joueur en fait. Là j'ai mis Troy Bryant, mais ils veulent peut-être Hachimura, mais lui je veux le garder. Bertans par exemple, ça me dérange. Putain, il coûte trop cher Bertans. C'était ça. Oh là là, il prend que 2 millions en gros. Il prend que 2 millions, Siakam. Jaylen Brown, c'est trop cher les gars. Jaylen Brown, je suis chaud, hein. Mais Ah, c'est 6 millions. Ben non, il a pas encore re-signé. En vrai, non, c'est pas mal. Désolé. Si je te mets Browns. En vrai, Jaylen Brown, ouais, c'est lourd. Ok. Là, il dit oui. Putain, gros. Quand même. Là, je t'ai filé toute ma famille. Non, hey, ils sont durs. Hein. C'est dur en affaires ce soir. Hein. Ah, c'est dur en affaires de ouf. Hein. C'est dur en affaires de ouf. Hein. Arrêtez avec Kelly Oubre, les gars. J'essaie déjà de voir s'il y a moyen d'avoir mieux. Après, on verra si on peut prendre Kelly Oubre. Mais j'essaie déjà de voir s'il y a mieux. Mais j'ai l'impression que cool, Kelly Oubre, ouais, c'est peut-être. Notre seule option pour le moment. C'est pas forcément ce que je voulais. Le top du top, ça aurait été un Jason Tatum ou un truc comme ça. Un truc, enfin, un mec comme ça, pardon. Ça aurait été vraiment le top. Mais apparemment, c'est pas trop possible. Du coup, on va voir. Du coup, Yama Enemy, il faut le mettre pour faire kiff-kiff. Ça le fait au top. On file un premier, ça devrait le faire. Eh gros, allez! Mais où mèche, mais. C'est une dinguerie! Par contre, ils ont encore 7 millions, donc je peux leur redonner un joueur. Genre, si je fais ça. Ils sont relous. Il veut peut-être un ailier à la place aussi. Un joueur qui jouera plus jamais chez moi. Genre Troy Bry. Troy Bounce. Ok, il accepte. Vas-y, let's go. Ok! Bon, on a Kelly Oubre, c'est pas l'ailier que j'aurais rêvé d'avoir. Maintenant, il fera grave le taf. Maintenant, il fera grave le taf. Maintenant, on a toujours aussi du choix draft. On a toujours du choix draft, du coup, parce qu'on n'a pas perdu grand-chose. En gros, on a échangé Yan Manmi plus un petit joueur qui allait plus jouer. Ok, on a pris un ailier sympa. Mais on n'a pas pris trop de risques. On n'a pas pris trop. Il est éclaté. Oubre, non, mais après on n'a pas pris de risque, frérot. On n'a pas perdu de choix draft, hein, donc excuse-moi, mais moi déjà de 1, je trouve pas éclaté, mais il n'est pas à la hauteur de ce que j'espère. Donc on va peut-être essayer d'aller chercher quelqu'un d'autre, mais on n'a pas pris de risque en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire, les mecs. On n'a pas perdu de choix draft, donc on peut toujours aller chercher un meilleur ailier, les gars. Ça, mais pour moi, c'est plus un backup pour Oubre en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc on peut toujours aller chercher mieux. Mais dans ce cas, les gars, dites-moi. Parce qu'il faut être réaliste un minimum, les mecs. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes un milliard à me dire que c'est pas ce que vous espériez. Mais vous êtes les mêmes en train de dire qu'il nous faut LeBron à la place. Mais les mecs, vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Juste, vous êtes des oufs. C'est juste impossible, les gars. Et on n'a pas l'argent pour prendre des gros contrats. Donc il nous faut forcément un ailier. Enfin, faut que ce soit possible en fait, ou dans une équipe. Enfin, je sais pas comment vous dire, les gars, on n'a pas d'argent, enfin. On n'a pas beaucoup de possibilités en fait, les gars, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Après, on pourra peut-être essayer d'aller chercher un meilleur ailier à la FA, mais. Il n'y a pas grand-chose à la FA cette année, je crois. Hein. Donc, Isaac, tu vois, ça pue. Après, il y en a un ailier à qui je pense que je kifferais, tu vois. Bah, par contre, porteur, tu vois, pourquoi pas? Virbil, non. On peut voir par curiosité ce qu'on nous échangerait contre, mais pour moi, Bill, c'est l'âme de l'équipe, les gars. Voilà, juste par curiosité, je vous montre. Genre, si on nous propose un LeBron, tu vois. Mais pour moi, Bradley, c'est la base, tu vois. Paul George, non. Pour moi, Paul George, je préfère Bradley Bill à Paul George dans mon équipe, tu vois. Non, pour le moment, tu vois, enfin, Victor Oladipo, pareil, je préfère Bradley Beal. Non, il y a Bradley Beal, les gars, il est sous-côté, enfin, c'est juste qu'il joue dans une équipe qui est pas ouf, tu vois. Après, CJ, je kiffe, hein, mais pour moi, Bradley Beal, il est mieux dans notre équipe actuelle. En plus, il est meilleur.
Non, Bradley Beal, les gars, je préfère. Il nous faut surtout un pivot. Maintenant. Là, on a Thomas Bryant, ouais, au poste de pivot, il y a Enes Kanter. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Georges, ouais, gros, moi, perso, je préfère Bradley Beal. Dans mon équipe actuelle, je préfère avoir une équipe Kemba, Bradley, Kelly que Kemba, Oubre, machin, tu vois. Gobert, mais les gars, Gobert, c'est impossible, on n'a pas l'argent. C'est ça que je suis en train de vous dire, les gars. Vous êtes. Franchement, c'est dur, hein, les gars. Il y en a, ils comprennent pas comment ça fonctionne, la NBA. C'est impossible. Gobert, il coûte 25 millions, l'équipe. C'est impossible. Regardez, je vous montre. Rudy Gobert, 27 ans, 25 millions de dollars. Vous voulez que je donne contre quoi? J'ai rien. J'ai rien, les gars. Je vous parle d'argent. J'ai pas assez d'argent. Pour l'avoir, il faudrait que je gère Kyle Oubre, mais il a un transfert. Si, je peux encore. Ce serait pour gérer à la limite un Kyle Oubre. Ok. Ok, pourquoi pas. Mais ça n'avait pas Kem Tom. Non, je suis pas énervé, les gars. C'est juste que vous rendez pas compte de ce qu'on me demandait des fois en fait. Genre, il y en a, ils sont en train de me demander de choper des LeBron, des Kawhi, des PG, des machins. C'est pas si facile que ça en fait. Et c'est une gramme. Et une gramme, je suis chaud, mais. Comment dire? Il vous reste plus qu'une année en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on aille chercher Porter Junior. Et on voit comment l'équipe se passe. Parce qu'on aurait des joueurs avec un gros potentiel. Et on voit comment ça se passe. Et ensuite, à partir de là, on essaie de voir si on trade ou pas. Moi, je pense que. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire. En plus, on a tous nos choix draft. Donc, on va pouvoir monter des trades, les gars, cet été. Donc, moi, je pense qu'on va suivre la voie. On va suivre la voie de la sagesse. J'ai pas envie de faire de dinguerie là maintenant tout de suite. Je suis désolé si on peut pas prendre des LeBron et tout, c'est absolument impossible. On va essayer d'aller chercher Porter Junior qui a un énorme potentiel, je trouve. Ah oui, c'est qu'il prend 7, lui prend 3. On va essayer d'aller le choper. Ou même pas en fait. Il va se développer à Denver. On peut rester comme ça. Il nous reste des gros choix draft, les gars. On les laisse se développer. Il y a la draft. On les tèche tous. Et on essaie de choper un gros morceau. Et on voit ce que va donner Kemba, Bradley Beal, Kelly Oubre. Ça peut être une solution. Hein. Là, pour le moment, c'est Kemba, Bradley, Kelly, Bertens, Bryant, notre 5 majeur. En vrai, ça va. Et notre backup, c'est Napier, Gary Payton. Ah, ça prend, ça pue la schneck. Bonga, ça pue aussi. Hachimura, ça va. Kanter, ça va. Le poste 1, 2, 3, par contre. Non, 2, 3. Notre arrière et ailier backup, par contre, c'est pas possible. Hein. Faut qu'on fasse quelque chose. Par contre, ouais, l'arrière et l'ailier pivot, par contre, c'est un peu naze. Ingram égale restreint égale taxe de luxe. Putain, ouais, il a raison, ce con. Putain, il a grave raison, ce con, j'avais pas pensé. C'est vrai que c'est un agent libre restreint, donc on peut le re-signer comme on veut et on le prend dans notre taxe de luxe. Putain, il est pas con. Merci, mec, franchement, merci. Ok, on va essayer. Ça va être chaud, mais on peut essayer. Par contre, on va perdre des choix draft. Là, on va même en perdre beaucoup. Mais ouais, il a grave raison en fait. Il a grave raison. Oubre plus choix draft, place Gobert. Mais genre, je vais peut-être mettre Kelly Oubre là. Putain, on peut pas, c'est pas kiff-kiff. Ah oui, il coûte pas assez cher ce fucking mec. Puis moi, je vois 7 millions. Vas-y, file-moi Miller. Il pue la merde, mais au moins ça fait kiff-kiff. Ça va pas le faire. Putain!
Bryan plus. Bryan, j'aimerais bien le garder quand même, gros. Après, c'est vrai que. Kelly Oubre, c'est vrai qu'il vaut grave le coup. Mais. Brandon Ingram, mais. Ils ont pas l'argent, frérot. Bryan, il prend 8 fucking millions. C'est impossible, les gars, ce que vous me demandez encore. Ces deux joueurs ont grave de valeur. Je pense, enfin, grave. Les deux ont de la valeur. Mais non, Bradley Beal, je le garde. Mais arrêtez, wesh, Bradley Beal, je le garde. Surtout contre Brandon Ingram, gros. Tous les jours, je garde Bradley Beal. Vous êtes des ouf. Réfléchis, 15 et 8. En fait, ça fait 25 dollars. Donc, il faut un jour à 20 millions. Donc, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Ceci dit, on peut essayer comme ça. Ça fait kiff-kiff les deux contrats. Et à partir de là, je peux peut-être essayer de gratter un peu. Filer par exemple Bertens, qui a quand même qui a ses côtés. Et par contre, prendre en échange un de leurs joueurs à 7 millions, genre Miller, qui vaut que dalle. Tu vois, essayer de grappiller à droite à gauche en fait. Ensuite, rajouter mon premier choix. Mes seconds. Là, j'essaie vraiment de me casser la tête, les gars. Banks. Bon, c'est un transfert qui a quand même un goût amer. J'ai perdu tous mes premiers tours, les gars. J'ai perdu tous mes premiers tours, mais il y a un mec dans le chat qui m'a totalement convaincu, parce que c'est l'un des seuls, enfin, il n'y en a pas beaucoup, qui sont assez sérieux et qui disent des trucs sensés, c'est que on n'aura pas l'argent de choper un gros morceau à la FA, ça c'est sûr. En plus, la FA, elle n'est pas incroyable cette année. Mais si j'ai accepté de faire ça, les gars, c'est parce que... Brandon Ingram, il va falloir le prolonger. Mais il va falloir le prolonger, les mecs. Mais en fait, ça va passer dans le tax de luxe. Parce qu'on peut se fier à... Enfin, on peut aller dedans. On peut... En fait, c'est un agent libre restreint, en fait. Donc, c'est pas un problème. On va se foutre sur son contrat, et puis basta. Paf, Ace en pivot, il a un contrat rookie. Ace. Ah, Jackson Ace. Tu parles de Jackson, ok. Il nous manque un bon gros pivot toujours. Bon, par contre, du coup, on a un bon ailier, backup, qui est un poste un peu naze. Il nous faudrait juste un arrière meilleur backup. Là, il ferait jouer Ish-Smith en arrière backup. Pourquoi pas? Mais Gary Payton, par contre, ça c'est vraiment pas ouf. Ça c'est vraiment pas ouf. Donc, ce qu'il nous faudrait, l'équipe, en fait, c'est un gros pivot. Et un meilleur arrière. On a du DeMarcus Cousins, mais mec, 20 millions. Ça ira beaucoup, merci beaucoup. À la prochaine. Khaled Farid, en vrai, c'est pas mal du tout. Je crois qu'on l'a pris la dernière fois, d'ailleurs. En vrai, Khaled Farid, c'est pas mal du tout. Kenneth Farid, en vrai, c'est pas mal du tout. Les gars, j'arrête de regarder le chat. Franchement, prends Capella, prends Ayton, prends Vucevic. Prends Steven Adams, mais... franchement, les gars, vous avez rien compris comment ça fonctionnait, en fait. Zion, il est pas cher. Prends Joel Embiid. Prends Hassan, là, je comprends. Les gars, vous allez me rendre ouf. Prends Heidi. C'est n'importe le chat. Ah non, mais les mecs, vous êtes incroyables. Vous savez pas comment ça fonctionne en fait. Enfin, vous êtes incroyables. Et franchement, vous me rendez ouf. En plus, je suis un peu fatigué, du coup, vous êtes incroyables. Arrêtez, wesh. Ah, mais de ouf. Franchement, vous me rendez ouf. Vous savez pas. Regardez comment ça fonctionne sur internet, les transferts, tout ça. Moi, je pense qu'Elite Farid, c'est pas mal.
pense qu'Enéd Farid, c'est pas mal. Prends Banks, ce serait le mieux. Ce serait le mieux. Prends Tony Parker. Moi, je pense Demarcus Cousins, non. Mais les gars, on n'a pas l'argent, il coûte 22 millions. Putain, vous êtes en train de m'énerver. Kenneth Farid, vas-y, on propose un contrat à Kenneth. On lui propose 3 ans. Vas-y, il accepte. Vas-y, là de quoi. Du coup, on a un bon pivot backup. Moi, je suis plutôt satisfait. Attends, je vais faire ça pour qu'il remette les minutes. Du coup, il a mis laissé Enes Kanter pivot titulaire. Ok, voyons voir l'équipe. Je crois qu'il nous manque juste un bon arrière. Il nous manque juste un bon arrière backup. Alors, Kemba Walker, meneur titulaire. Merde. Kemba Walker. Putain! Kemba Walker, meneur titulaire. Bradley Beal, arrière titulaire. Brandon Ingram, ailier titulaire. Hachimura, ailier fort titulaire. Enes Kanter, pivot backup. Titulaire, pardon. Franchement, ça me va. Shabazz Napier, meneur backup. Franchement, ça me va. Gary Payton, arrière backup. Voilà. Kelly Oubre, ailier backup. Franchement, ça me va grave. Ça me va grave de ouf. On n'a pas d'ailier fort backup. Et Kenneth Farid, pivot backup, ça me va grave. En fait, ce qu'il nous faut, c'est un bon arrière. Et on a grave d'ailier. Donc, on peut essayer de jarter genre Isaac Bonga. Et genre Payton pour un meilleur arrière en fait. Un arrière backup. Shooter de préférence, vu Kemba. Non. Kelly Oubre, Shabazz Napier, ça va jouer. On va voir ce qu'il y a. On va voir déjà ce qu'il nous propose contre. En vrai, contre Ish Smith. Ish Smith, il a de la valeur. Choper un bon arrière à la place de Ish Smith, ça serait pas mal. Pas de patte! Bon, on l'a pris la semaine dernière, pas de patte. Donc, Life is good. Yes, sir! You know what I mean? Yes, sir! Merci infiniment à toi, frérot. AP1985. Merci, mon pote, de ton soutien, de ta contribution. Bienvenue dans la team PAF, mon pote. Merci, frérot. Merci infiniment, mon pote. Merci, mec. Harris. De Harris. Je sais pas de quoi tu parles. De quel Harris tu parles? Merci beaucoup. Ah, Joe Harris! En vrai, ça se tient. Arrière, backup, Joe Harris, c'est pas mal. Arrière backup, Joe Harris, c'est pas mal du tout. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oli Jefferson. Ouais, enfin après c'est un knife. C'est pas mal, mais on n'a pas forcément besoin de lui en fait. Austin Rivers. Mais il lui reste plus qu'un an. Josh Okogie aussi, pas mal. Mais après il a encore en contrat rookie, je crois. Ouais, c'est ça, il est en contrat rookie. Okogie, c'est pas mal. On le fait jouer arrière, par contre. Mais Okogie, pourquoi pas. En vrai, je pense que le mieux, c'est de jouer Harris. Van Vliet, c'est impossible, les gars. Oh là, faut que j'arrête. Je réponds même plus au message. Enfin, voilà, quoi. Un peu insensé, quoi. T'as pas d'AV backup. C'est vrai. C'est pour ça que du coup, Olly Jefferson, ça peut le faire. Du coup, en plus, il nous resterait 4 millions. Jeff Teague. On n'a pas besoin d'Aaron Bane. Vas-y, on va prendre Olly Jefferson. On va prendre Olly Jefferson. Et on va aller chercher un autre arrière, du coup. On est vraiment en train de rendre notre banc pas dégueulasse. Hein, à mon goût, en tout cas. Payton, Isaac Bunga. Là, on va essayer de monter un bail pour avoir un arrière backup. Reggie Bullock, ouais. Torrey Gregg, il a que 74. Putain, damn. Demarai Carroll. On a des bons petits gars qu'on nous propose quand même, hein. Du choix de draft. C'est pas mal en vrai les choix de draft. Mais là on a besoin d'un arrière tout de suite en fait. Salut Kekeg, comment tu vas frérot? On a besoin d'un arrière tout de suite en fait.
Je vais faire ça et on va essayer de monter un trade pour trouver un petit arrière sympa. Un arrière backup. Josh Richardson, en vrai, c'est lourd. Mais ah, il prend 10 millions en vrai, c'est pas tant que ça. Hein. Mais on n'a rien pour compenser en fait. J'aurais bien aimé Richardson en vrai. Mais c'est trop cher. Kobe White. Franchement, Kobe White, je kifferais. Arrière backup. Ouais, mais on n'a plus de choix draft, donc si on a le premier choix, on a encore un premier choix, pardon. Kobe White arrière backup, c'est lourd. Hein. Spencer Dinwiddie. Ouais, Spencer Dinwiddie, c'est vraiment archi lourd, mais c'est impossible, je pense. Dinwiddie, je pense, on peut pas avoir mieux en backup. Ah, 3 étoiles en fait. Il prend 10 Ouais, il prend 10 millions, gros. Il prend trop. Il prend trop d'argent en fait. On n'a pas. On n'a pas l'oseille. Et encore, on a plein de petits contrats, hein, vous avez vu. On a vraiment. Si on a Miller, mais on peut pas encore le trade, Miller. Let's go, Korost! Merci pour tes 100 bits, frérot. En vrai, il y a Evan. Et Lou Will, mais trop cher. Ouais, c'est ça, c'est trop cher. Et Saipul ou Alexander Walker. Ouais, mais j'ai l'impression que ce soit trop bas en fait. Ça va. C'est des joueurs qui vont être bons d'ici 2-3 ans, je pense. Mais maintenant, tout de suite, c'est chaud. Wesley Matthews, en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Wesley Matthews, c'est pas une mauvaise idée. Spencer Dinwiddie, ça aurait pu se faire, mais on n'a pas l'argent. On a un choix de draft en plus, donc ça aurait pu faire pencher la balance. Mais je pense que ça suffise pas. Wesley Matthews, en vrai, c'est un peu ce que je recherche. Et c'est jouable. Ah, ils veulent deux joueurs. Isaac Bonga, Gary Payton 2 contre mon second choix, Sterling Brown et Wesley Matthews. Vas-y, écoute. Gary Payton n'y jouera jamais. Isaac Bonga, c'est pareil. Vas-y, on prend West. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal du tout. Clarkson, c'est cher aussi, les gars. Regardez, je vous montre. Clarkson, c'est à Utah. Clarkson, c'est 13 millions, les gars. J'ai pas les sous. J'ai pas les sous du tout. Non, en vrai, je pense qu'on a une équipe pas dégueulasse là. Franchement, on a une équipe qui est pas trop mal. On a un banc qui est pas trop mal. C'est pas la meilleure équipe qu'on a créée sur les paves Sauvelet, mais c'est une équipe qui tient la route. On a encore trop d'ailiers à mon goût. Mais les deux, ceux-là, on peut pas encore les trade. Après, il reste 1 an, 2 ans. Donc voilà, faudrait les trades quand on pourra, quand du second choix draft. Mais franchement, on est pas mal du tout, je trouve. On a une bonne équipe. Kemba, Bill, Ingram, Hachimura, Kanter. Franchement, ça va. Ça pourrait être mieux, mais ça va. Et backup, Shabazz Napier, Wesley Matthews, Kelly Oubre, Oli Jefferson, Kenneth Farid. C'est pas mal du tout le backup, par contre. Franchement, non, je suis content. Je suis content du taf qu'on a fait, les gars. Je suis content ouais, du taf qu'on a fait. Dites-moi ce que vous en pensez, vous là, mais moi je suis plutôt content. Il nous reste un premier choix. C'est pas ouf. Mais on verra ce qu'on en fera si on le garde ou si on le trade cet été contre un meilleur joueur lors de la draft. On verra. Parce que du coup, on n'a plus de choix de draft. En plus, on a peut-être un peu d'argent, mais. Non, on a à moins 11 millions, vous voyez. Mais on sera bien plus haut que ça. On va finir à moins 40 millions, peut-être. On va être en taxe de luxe de ouf. Parce que Brandon Ingram, il va demander les 30 millions. On va s'aligner et. On va s'aligner et puis. Et puis on n'aura plus un sou en fait. Putain, why? On a des exceptions de malades. Mais tu m'étonnes qu'ils sont dans la merde. 1 million, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, 14 millions qui. Oh là là, mon Dieu. Ils sont riches à hein, Washington, hein. Ils sont riches de ouf, hein. Vas-y, ben, go voir ce que donne cette équipe, les gars. On va faire les entraînements. Écoute, on va faire par type de joueur. Équilibré. À domicile, élevé. À l'extérieur, moyen. On va les faire baver un peu.
On va les faire transpirer, les gars. Notre objectif, c'est clairement de se qualifier pour les... se qualifier pour les playoffs. En fait, on a des jeunes joueurs, quand même. L'idéal, c'est de re-signer Brandon Ingram. Je pense que si on aura re-signé Brandon Ingram, si on arrive à le re-signer et que on arrive à se qualifier pour les playoffs, je pense qu'on a sauvé cette équipe. Mais à voir si on peut faire mieux, on verra. Déjà, faut attendre, faut patienter, on va voir ce que l'équipe donne. On va aller jusque. On va finir la saison de toute façon avec cette équipe-là. Vas-y, go. Voir déjà ce que l'équipe elle donne. Ok, victoire. Défaite. Aminu, Oli Jefferson, non, on garde. En vrai, c'est vraiment un bon backup, Oli Jefferson. Je suis plutôt content. Faut aller recruter le Banks en vrai, de ouf. En plus, il coûte pas cher, le Banks. Je crois qu'il est payé que. Le Banks O'Neal, je crois, il est payé que 7 millions, même pas la saison, un truc comme ça. Que dalle. Non, même moins, je crois. 5 millions, je crois. Bobby Portis, Elfrid Payton. Kelly Oubre, non. Kelly Oubre, je pense qu'en backup, c'est pas mal du tout. Bon bilan pour l'instant. 4 victoires, 3 défaites, ça le fait. Contre Cleveland, faut gagner, s'il vous plaît, quoi. Bilan négatif. Il y a un truc qui va pas pour l'instant dans l'équipe. On va voir. Supervision des jeunes espoirs. Non. Par l'IA. Ok, ça perd. C'est bien d'avoir un bilan quand même positif. Kiff kiff quoi. Pour moi, l'équipe. Ah putain, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire un truc. Mais le coaching et tout, on gérera ça bientôt. Là, l'idéal, c'est de développer nos joueurs en fait. Même si je pense qu'on peut gagner. Moi, ce que je voulais voir. C'était ça. On est à 3 étoiles et demie. On peut pas passer en 4. Donc on va rester comme ça. Mais on changera de coach de toute façon. Mais on a du Craig Popovich, tout ça, qui sera pas mal. C'est le choco. Evan Fournier contre Kelly Oubre. Non. Non. Evan, c'est 17. En vrai, ça va. Non, c'est que 2 millions de plus que Kelly Oubre. Mais. Grave intéressant. En backup, après, en vrai, ça score. Hein. Mais ouais, voilà. Comme vient de dire. Ouais, c'est bien. Tu m'as convaincu, mec. Refusé. Il vous reste un dans le contrat, les gars. Il lui reste un an de contrat, Evan. Franchement, il lui aurait resté 2-3 ans. Très honnêtement, ça aurait été cool. Mais il lui reste plus qu'un an, c'est mort. Salut, Evolution Zate. On a un bilan dégueulasse pour l'instant. Hein. Pas mal, ça, par contre. Mais non. Pour le moment, ça marche pas trop. Hein. Pour le moment, ça marche pas trop. Après, on a beaucoup de jeunes joueurs, hein, donc il y a moyen que sur la durée, ça se mette à win un peu. Et merde, et il y a moyen que. Il y a moyen qu'il se développe, tu vois. Ok, belle victoire face aux Clippers. Mais ce serait bien d'être régulier, les mecs. Ok, 4 victoires de suite quand même. 4 victoires de suite. Memphis, ça perd. Ingram, elle est fort. Non, elle est bien alliée. Il est très bien allié. Tu tankes? Non. On tank pas, gros, on a plus de choix de draft. Hein, donc, Et de toute façon, on peut pas tanker avec Washington. On a une équipe qui est trop forte. Mais en fait, on a une équipe qui est trop forte pour tanker, mais qui est pas assez forte pour jouer le titre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le souci, c'est le pivot. On va pouvoir régler ça bientôt, vous inquiétez pas, les gars. Là, on laisse couler la saison. On essaie de voir ce que ça donne.
Et ensuite, on essaiera de régler ce problème. À la limite, je vais essayer de voir à la deadline sur pas barbu au poste de pivot. Mais on va régler ce problème. Moi aussi, je suis convaincu que le poste de pivot, il est pas assez fort. Déjà, on va voir là comment se trouvent les joueurs. Brandon Ingram est on fire, Kemba, Bradley Beal et tout, pas trop. Ce qui est plutôt dommage. On va voir ce qu'on nous propose pour Enes Kanter. En plus, il lui reste plus qu'une année de contrat, donc ce serait tout à notre. Ce serait pas débile de le tège. Non, Rodman, c'est mieux qu'Enes Kanter en vrai. Au pivot, je parle. Drummond en pivot, c'est cher, non. Il coûte que 4 millions, Enes Kanter. Hein. Et ça, Jamal Magui. Ouais, Jamal Magui, c'est lourd. On a plein de pivots sympas hein, qui sont jouables. Hein. Mbamba, trop de valeur, j'ai pas ce qu'il faut pour le prendre. Attends, je cherche les Lakers qui m'avaient fait une proposition, voilà. Même Dwight Howard, non, c'est archi lourd. Hein. Mais 3 étoiles. Il coûte pas assez cher Dwight Howard. Le c'est mort. Là, ça fait kiff-kiff. Ah, ça se fera pas, je pense. C'est relou. On n'a pas de second choix au truc pour faire pencher la balance, mais. Marc Gasol, c'est trop cher, les gars. Daniel Tate, non, je préfère Javal, Maggie. Quitte à avoir Daniel Tate, je préfère avoir Javal. Steven Adams, c'est lourd. Ouais, comme son contrat, frérot. On va essayer d'aller chercher du second choix. Ok? Je vais essayer d'aller chercher du second choix contre nos joueurs qui ne servent à rien, genre lui. Putain, c'est ouf. Je veux juste du choix de draft en fait, les mecs. Vos joueurs, je m'en fous en fait. Ça, tu jartes. Ah, mais en fait, c'est qu'ils ont pas. Putain. Une équipe qui a que 14 joueurs en fait, mais vas-y, on va accepter cette offre là pour prendre le second choix. On va prendre ce second choix. Ensuite, on avait encore Brown, Stanley Brown a dégagé pour un second choix. Ce que je vais faire, c'est que le petit gars là qu'on vient de choper, Schofield, non, c'est pas Schofield, c'est Bueman. Le petit Bueman, on va le cut. Il ne reste plus qu'une année, on va le cut. Ensuite, Stanning, on va voir. Pour essayer de pouvoir pencher la balance, en fait. T'avais Brook Lopez là, ouais, mais je sais pas, je préfère McGee quand même. Pour du pivot pur et simple, tu vois ce que je veux dire. Ah, là, c'est lourd, ça. Ça, c'est archi lourd. Un premier choix, Banks, on accepte. Là, on fait le plein, les gars, là. Matthews, il est en G-League. Miller, faut qu'on cut aussi. Hein. Attends, on a combien de joueurs, là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on a 15 joueurs. Miller, je le tâcherai bien, quand même. Hein. Mais on va le garder, vas-y, écoute. 7 millions!
Mais oui, c'est vrai, je l'avais pris pour chez la balance, putain. Vas-y, qui veut de 1000 euros? Putain, 7 millions pour croquer le banc, en gros, c'est chaud un peu. Ah, ils veulent me refiler Sterling Brown. En fait, ils ont dit, ah, en fait, vas-y, tu veux pas le reprendre, frère. Corey Joseph, en vrai, c'est pas mal. Mais coûte 12 millions, quoi. Dwayne Bacon. Andre Iguodala. Hey! Non, putain, j'ai... J'ai bégayé, frère. Je croyais que c'était le gramme de... Je croyais que c'était le gramme de Charlotte. Je fais what? What? Par contre, je le veux bien, le gramme de Charlotte. Devant tes grammes, frérot, vas-y. Hein. C'était chaud. Ils ont que 14 joueurs, gros! Je suis peut-être en train de faire une grosse connerie, hein, je vous cache pas. Putain. Vas-y, je suis en train. T'inquiète, je gère. Fais poste pour poste. Gramme, c'est le feu. Ah, gros, si on arrive à le pécho. Je te le dis. Allez, vas-y, chaud. Moi, je suis content de ouf, hein. Ah, je suis content de ouf, hein. Là, franchement, je suis content de ouf de ce qu'on vient de faire. Et on a des choix de draft, donc on va aller chercher maintenant. On va aller chercher. On va aller chercher McGee. Si on arrive à aller chercher McGee maintenant, en plus on peut le prendre, on a deux petits trucs en plus. Franchement, je suis trop content. On fait ça contre ça. Et on rajoute les deux choix qu'on a pécho. Non! Non! Ça suffit pas! Ils sont relous! Mais ils sont relous! Gros, un premier choix 2024, un second choix et Enes Kanter! Ils sont relous! Kenneth Farid? Merde. Relou, hein? Miles Turner. Miles Turner, j'ai peur que ce soit trop cher, frérot. Je sais pas combien il coûte. C'est une bonne question, mais déjà de 1, je pense qu'il est beaucoup trop bien coté. Et de 2, je pense qu'il est beaucoup trop cher. Ouais, 18 millions, tu vois. En vrai, ça va, c'est pas énorme. Mais putain, il a que 80 en général, par contre, tu vois. Mais ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Ouais, ils ont signé DeMarcus. Ah, mais DeMarcus, vous avez vu, il est à... Ah, on peut le signer dans 17 jours, putain. Il est signé pour 5 millions, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'il est beaucoup trop coté en vrai. Et il coûte trop cher aussi. Enfin, pour nous, du moins. Allen de ouf. Whiteside, trop cher. Mais par contre, Allen de Brooklyn, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai peur que ce soit compliqué. Déjà, putain, il prend que 2 millions. C'est impossible, mec. Putain, Devante Graham, il prend que 1 million 40, frérot. Il est encore en contrat rookie en plus. Ouais, Allen, c'est vraiment une bonne idée. Vraiment. Mais ils ont pas l'argent, en fait. Ils ont pas assez d'argent, en fait. Ce qui est assez dommage. Nous, on peut encaisser des mecs. Mais tu vois, ça le fait pas, tu vois. Vous me demandez de laisser un élément essentiel, tu vois. J'ai peur que ce soit dommage. T'as 12 joueurs. Ouais, je sais, je sais. Du coup, on peut encaisser des mecs. On peut les faire venir. D'André Jordan. D'André Jordan, après, je kiffe, mais je crois qu'il prend trop. DeAndre, c'est 10 millions. En vrai, ça penche. Du coup, tu peux le faire comme ça. C'est le genre de pivot. En plus, il a un contrat de 4 ans. En vrai, ça peut le faire. Ah, ils veulent que je rajoute. Non, ils veulent que je rajoute un truc. Non. Je crois qu'ils sont pas fans de Enes Kanter en fait. Tu vois, ils ont plus assez d'argent.
Il manque encore un genre un second choix ou un truc comme ça, tu vois, je pense. Pour vraiment faire pencher la balance. Ah, je suis en train de vider mon équipe, les mecs, hein. Juste pour avoir un pivot, quoi. Bon, on nous propose du second choix et tout. On va prendre celui-ci. Je vais Gabriel après, je vais le cut. Hop, tout de suite. Ce que je voulais, c'était juste le second choix. Je le cut tout de suite, parce que je voulais juste le second en fait. Voilà, j'ai plus de valeur, hein. J'ai vraiment plus grand-chose. J'ai rajouté un second choix, donc on va voir. Pour Porzingis, les gars, vous êtes des malades. On va chercher un second choix. Ouais, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai, frérot. Du coup, putain, on était sur... On était sur DeAndre. Allen a même moins de valeur, mais il coûte pas assez cher, en fait. Du coup, c'est compliqué de le pécho, tu vois. 3 étoiles, tu vois. Il est jeune, en plus, c'est ça qui est cool. Mais... Ce qui est dommage, c'est que, ouais, il coûte pas assez cher, en fait. 2 étoiles et demie, du coup, on est obligé de rajouter un petit gars. Chandler. Et moi, ensuite, je rajoute tout ça, en fait. Mais... DeAndre Jordan, c'est peut-être plus faisable. Même s'il a moins de valeur. Tu vois. DeAndre, hop. Tu vois, ils veulent pas. En vrai, je pense que ce trade-là, il peut se faire, les gars. Et je pense qu'il peut se faire. Il faut juste trouver un autre pivot qui coûte pas trop cher, qui soit fiable, en fait. Mais je pense que ça peut se faire, les gars. Ça peut grave se faire. Taco Fall? Non, Taco Fall, non, c'est pas... on parle d'un poste de pivot titulaire, les gars, là. Hein. Taco Fall, il joue en G-League, hein, donc... Ça vaut grave pas le coup, les mecs. Mon 13, en vrai, c'est grave lourd. C'est archi lourd, mais et je kifferais de ouf. Il lui reste 1 an le contrat, donc ça peut peut-être le faire. Maintenant, il finirait juste la saison, en fait, quoi. Faut le re-signer derrière, quoi. Mon 13, je kifferais. Beaucoup, Greg. Beaucoup, beaucoup. mais ce soir, aucun. Mais ce serait bien qu'il sub, là. Les mecs qui sont pas sub, là. Subez-vous, puting! Mais ouais, mon 13, c'est juste qu'il est en dernière année, du coup, c'est un peu compliqué, tu vois. Ils veulent mettre Wesley Matthews en plus. Contre Rony McGregor, si je le veux. Mon 13 serait lourd, mais j'ai pas envie de sacrifier. Enfin, ah non, le contrat d'ailleurs, on n'aura pas les sous pour le re-signer en fait. Mitchell Robinson, pas con. Merci pour vos idées, les gars. Franchement, c'est pas con du tout. Côté de ouf, hein. J'ai peur que ce soit trop côté aussi, hein, tu vois. Ça le fait pas. C'est des mecs qui sont. Ils ont une cote de malade. Jared Jackson. Jared Jackson, c'est coté aussi, ça, frérot. C'est coté de ouf, frérot. Pour avoir un gars comme ça, il nous faut un gros premier tour, tu vois. Il nous faut vraiment un gros premier tour. Désolé, coureur, je suis concentré sur mon bail. Ouais, j'ai vu votre Jackson Hayes, mais c'est plus un remplaçant Jackson Hayes. Ça aurait été vraiment cool quand même, Javale McGee. Javale McGee, ça aurait vraiment été, été lourd. Franchement, je suis perdu là, je sais pas qui on peut prendre. Kuhlenstein. Il y a toujours Brook Lopez hein, qui dispo. Mais Davis, putain, j'ai cru que c'était mieux que ça.
Ou Boban. Valentina, c'est trop cher, les gars. Et Aaron Bain, toujours aussi. En termes de. C'est du pivot pur, hein, donc. C'est pas mal. Merde, c'est Muscala, je suis con. Aaron Bain. Niveau rebond, t'es pas mal. Capella, c'est trop cher. Sauf Nurkic, c'est trop cher. Ward Free Agent. J'avoue, Ward sera Free Agent, mais on n'aura pas les sous pour le signer. Pour le signer. Adebayo, c'est impossible. Adebayo, c'est 4 étoiles, les gars. On n'a rien pour 4 étoiles, et en plus, c'est 3 millions. C'est absolument impossible. On va prendre Brook. Hop là. On va prendre Brook, les gars. Ce sera très bien. Hop là. Bon, voyons voir notre 5 majeur. Kemba Walker, Bradley Beal, Brandon Ingram, Hachimura, Kenneth Farid, Kelly Oubre, Devante Graham. Ah oui, c'est bon, là, Devante Graham. Brook Lopez, Oli Jefferson, Wesley Matthews. Et c'est tout. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Vas-y, go voir ce que cette équipe elle donne maintenant. On a Devante Graham par contre en sortie de banc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok, ça win. Kelly Olynyk, non, non, je préfère Book Kelly Olynyk. Bon, on perd toujours autant. Ok. On a tout le temps nos deux petites 2-3 en fait. On tourne tout le temps à 2-3. Si on a fini par lire. Ça, on va changer le. On va changer. Wow, 152 à 119. On va changer après les coachs, tout ça. On fera un match, les gars, un match de playoff. Non, toujours pas un. Yusuf Nurkic, choix du premier tour des Blazers contre Brandon Ingram. Beaucoup trop précieux le Brandon Ingram. Cousins, trop cher. Cousins, il a signé un contrat en fait à Minnesota, du coup on peut pas le signer. Et nous, il nous demandait 20 millions en fait. Zach LaVine, John Inglès, Kemba, choix du second tour. Porzingis, Dylan White, Kemba, Kenneth. Vous êtes vraiment des oufs. Par contre, on perd vraiment beaucoup de matchs. On perd vraiment, vraiment beaucoup de matchs. Will Barton, Marcus Morris, oh là là. Un petit mois, alors. Salut le Ross. Non, on s'en fout. On a un bilan toujours dans le dur. On perd toujours beaucoup de matchs. On perd, on perd, on perd, on perd, on perd. On perd, on perd, on perd. All-Star Game, on s'en fout. On a toujours notre. En fait, on a toujours 25 victoires pour 28 défaites. On a toujours une diff de 3, en fait, de 2-3. Chicago faut win. Hein. Voilà. Les petites équipes, on gagne. Les grosses équipes, on perd, en fait. C'est logique. Brooklyn, on gagne, c'est cool. C'est très cool. Utah, on gagne. C'est très cool, on a un bilan positif. Enfin, égal, je veux dire. On a un bilan positif, les gars. 30 victoires, 29 défaites. 30-30, 30-31, 31-31,
On est bien. Faut continuer comme ça. Putain. Allez, faut qu'on arrive à garder notre bilan positif. Ensuite, on fera un bilan à la fin de la saison, voir ce que ça a donné. En plus, si on a un bilan positif, à l'Est, on joue les playoffs. Ok, ça win. En fait, y a du mieux quand même, hein. L'équipe va mieux, hein. L'équipe va clairement mieux, mais on est quand même pas très régulier. Putain, on perd toujours contre les Bucks. Boston, on perd. Phoenix, faut win, putain, allez. Voilà. Allez, une petite victoire pour les Bucks, pour le moral. Putain. Les Lakers? Voilà! Enfin, une victoire face à une grosse équipe. Voilà, enfin. Bilan positif à l'Est, c'est top 4. Il abuse. Non, on gagne des bons matchs, les gars. On a un bon bilan. On a un très bon bilan, là. C'est cool. Faut qu'on arrive à enchaîner les wins encore. Les grosses équipes, on perd de pas grand-chose. Sauf Milwaukee tout à l'heure, mais... Voilà, on gagne les Rockets, on gagne Charlotte. C'est bien! C'est très très bien. Et ça va être la fin de la saison, les gars. Allez, on finit par une victoire, s'il vous plaît. Voilà! Let's go! On a fait une bonne fucking saison. On va regarder le classement, vous inquiétez pas. MVP, it's the LeBron James. Rookie de l'année, Jamorant. DeMarcus, meilleur sixième homme. Kawhi, meilleur défenseur, meilleure progression. Luka Doncic, Kenny Atkinson, coach de l'année. Ah, Brooklyn qui a fini premier. On n'a aucun joueur dans le premier. On n'a aucun joueur dans le deuxième. On n'a aucun joueur dans le troisième. On a... De toute façon, on n'a jamais personne. Donc, comme ça, c'est réglé. J'ai jamais réussi à avoir un joueur dans les tops. Voilà le tableau des playoffs, les gars. On a donc fini 7ème de conf. Putain, 7ème avec un bilan aussi propre. Ok. On va jouer contre Toronto. On va se faire exploser nos grands-mères. Mais on va aller voir le classement. On a donc fini 7ème de conf. Putain, on va devoir jouer contre Brooklyn. Ouais, sinon ça aurait été Milwaukee. Ok. Atlanta a fini derrière nous. Putain, quand même. 45 wins et le premier est quand même à 57, il n'y a pas une grosse diff en fait. Hein. C'était assez serré. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a pas gagné un seul match contre Toronto cette saison. Je crois qu'ils nous ont mis 4-0. Hein, donc voilà. Il y a l'Est. Voilà comment ça s'est terminé. Ok, pas trop mal. Ouais, on va voir ce que ça donne. On va voir les classements aussi un petit peu. Comment ça s'est passé. Bradley Beal 23, 16, 15. Devonte Graham, 13 points en sortie de banc, c'est pas mal. 12 points qu'il y a enfin Hachimura, Lopez, ok. Ok, de toute façon on verra après ce qu'on peut modifier les opportunités qu'on a lors de la draft. Il y avait Hachimura, deuxième rookie. Ah merci frérot, je l'avais pas vu. Allez, voyons voir ce que ça donne les gars. 1-0 pour nous. 2-0 pour nous. 3-0 pour nous. 3-1. 4-1! Let's go! On passe le premier tour! Les gars, après, faut pas chercher les mecs. Hein. Posez-moi pas de questions. C'est NBA 2K. Hein. Y a des fois, on a des équipes incroyables. Mais vraiment des équipes incroyables. On se fait violer pendant les playoffs. Et des fois, on a une équipe totalement cassée. Rappelez-vous qu'on avait fait, je sais plus quelle équipe, on avait fait. On avait une équipe bidon. On avait fini champion avec une équipe bidon. On avait fini genre 8ème de conf. Rappelez-vous, avec un bilan négatif. Et on avait gagné le titre, je crois. Hein. Donc, cherchez pas, les gars. Le jeu est cassé à fond, Coros. Du coup, voyons voir. Là, on va se faire défoncer, mec. C'est on va se faire défoncer. 1-0 Milwaukee. 1-1. 2-1 Milwaukee. 2-2. 3-2 Milwaukee. Ok, on est éliminé, les gars. Ça va. On est éliminé 4-2 en demi-finale de conf face à Milwaukee. Ok. Non, ok. Ça le fait. Franchement, il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de surprise, quoi. Bradley Beal, 28. Bradley Beal qui fait grave le taf quand même. Par contre, Brandon Ingram, c'est. Brandon Ingram, il est vraiment pas dedans. Hein. 14 points. 23 points. J'en attends plus de lui en fait. Là, il a 11 points. Ouais, Brandon Ingram, c'est pas ça du tout. Hein. De toute façon, Brandon Ingram, on va le re-signer. Avec la taxe de luxe, on va s'aligner et pourquoi pas le trade derrière. Faire un petit sign trade ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on va peut-être faire ça pour lui parce qu'il est vraiment bidon. Par contre, Bradley Beal, Kemba, ça fait le taf. Ok, finale NBA, Brooklyn, Dallas. Les Lakers se sont fait péter par OKC. Et les Clippers se sont fait péter par Dallas. Putain, non.
Ok, Brooklyn champion NBA, vas-y. Et dire que Brooklyn, on les a tapés deux fois ou trois fois cette saison. Vas-y, y a pas de problème, je suis pas un rageux. Ça me casse les couilles, putain. Alors, retraite du staff. Ok, on passe. Les gars, on va avoir. Greg Popovich prend sa retraite. Fait. Reniement de la Ligue, non. On va directement à la loterie. On va voir qui a les bons choix. Nous, on n'a plus rien, de toute façon, donc c'est pas très grave. On vérifie quand même si jamais on n'a pas loupé quelque chose. Hein. On a R, de toute façon on n'avait aucun choix, donc on a tout jeté, donc voilà. Recrutement du staff, bon allez. Bye bye, je te dis bye bye. Bye bye si tu fais du ça, nanana. Hop là, c'était un peu gênant, my bad. Voilà, déjà on fait ça, on prend le meilleur, de meilleur, de meilleur, a.k.a. Michael Stauffer. On lui propose même plus d'argent parce qu'il faut qu'il accepte. On n'a pas le choix. Assistant coach, on prend Pedersen, c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Recrutement. Graham. Préparateur physique. Hop. Assistant MG. Hop. Et de toute façon, je propose le max. Faut qu'ils acceptent. Surtout. Surtout. Yes, sir! Stuffer accepte. Let's go. On a un bon coach. On a un excellent coach, messieurs-dames. Et les trois autres refusent. C'est pas grave. Tant pis pour vous, les mecs. Vous savez pas ce que vous loupez, hein. Assistant MJ. Ok. Et là, on prend. Les trois signes, let's go. Ok, le staff, c'est fait. Je vais vite. Je prends toujours ce qu'il y a de mieux pour mon équipe. Recrutement de staff, c'est bon. On va aller directement à la draft NBA, messieurs, dames. Je pourrais pas trade, je vous rappelle, Brandon Ingram lors de la draft. Brandon Ingram est agent libre, mais il est agent libre restreint. Donc, ce qu'on va faire avec lui, on va garder ses exceptions sur lui, en gros. On va garder les droits sur lui. Et une équipe va lui proposer un gros contrat. Et dès que cette équipe-là va lui proposer le contrat, on va s'aligner dessus. On n'aura pas l'argent, mais en fait, on pourra quand même le re-signer avec la taxe de luxe. Du coup, on va le re-signer, Banks. Même si on n'a pas les sous, bah les couilles. De toute façon, on a un choix. 34. Ok, on va voir ce qu'il y a. Voyons voir. 30, 34e choix de draft. On va prendre le mieux qu'on puisse avoir. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Ouais, bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne de potable. Hein. On va prendre Vernon, hein. Allez. Je le connais pas, hein. Je vais pas vous cacher. On va prendre Vernon. Ok, bon, ça c'est fait, on le signe. Si, si, vas-y, on va le signer. 1 million. Hop là. Pierre, les gourdes et tout, il peut toujours les prendre. Devonte Graham, évidemment, on accepte son option. Il est en contrat rookie. Évidemment qu'on l'accepte. Wesley Matthews qui refuse son option joueur. Pas de problème, on pourra toujours trouver un petit arrière sympa pour prendre sa place. On a Anthony Davis qui refuse et tout, mais voilà, tout ça, on n'a pas l'oseille, les gars, donc on pourra prendre personne. On pourra signer personne. Offre qualificative. Évidemment, on garde les options sur Brandon Ingram. C'est important de ouf. Important de ouf. Alors, les moratoires. On a quoi en termes d'argent? On n'a absolument que dalle. Donc, ça risque d'être compliqué. Merde. On a pas mal de capodes, par contre. Parce qu'il ne doit pas nous rester beaucoup de joueurs. Walker, Graham, Bill, Kelly Oubre, Hachimura, Lopez, Kennett. Ok, on n'a plus beaucoup de joueurs quand même, on va pas se mentir. Du coup, on va libérer un peu de cap. Évidemment, ça on garde, ça on libère. On libère. On libère. On avait encore Jérémy Lin, putain. Ça, c'est des joueurs qu'on n'avait même plus. Et ça, on garde. C'est important de garder les mecs. C'est pour garder les droits sur lui, c'est la base. Bon! On n'a pas d'oseille, mais il nous faut absolument. Absolument, les mecs, du backup en fait. Si on peut avoir mieux, on ira chercher mieux, mais on verra ce qu'on nous propose plus tard. Bradley Beal, on va voir ce qu'il a en fait. Mais Bradley Beal, il a fait une bonne saison. Hein. C'est vraiment Kemba et Brandon Ingram qui n'ont pas fait grand-chose en fait. J'ai dit sans sentiment, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Du coup, il nous faudrait du backup en fait.
Donc on va prendre des petits contrats à la con. Je préviens tout de suite. En meneur derrière. On a déjà Graham, on n'a pas besoin. Il nous faut un arrière derrière Bradley. Burks. Duncan Robinson. C'est pas ouf, il n'y a pas grand-chose en vrai. John Waiters, McRae, Andre Robertson, Tyreek Evans, c'est pas mal Tyreek Evans. Wesley Matthews évidemment, qui demande que 2 millions. J.R. Smith. On va proposer un contrat à J.R. Smith, mec. Je vous jure. DeMarcus Cousins, qui veut 25 millions, frérot, c'est beaucoup trop. 25 millions, c'est incroyable. C'est vraiment beaucoup trop. Hein. C'est vraiment, mais vraiment beaucoup trop. Duncan Robinson, ça me tâte de ouf en vrai. Il veut 8 millions, on voit, ça va. On va proposer un contrat à Duncan, mais on n'a pas grand-chose. Et ensuite, en ailier backup, on a Kelly Oubre, ça me va. Il nous faut un ailier fort backup. Enfin, il nous en faut d'autres, hein, mais des bons gars, tu vois. On a Zach Randolph, J. Grant, Mo Williams. Williams, ça peut le faire grave, en plus, il veut que 3 millions. Meyer Leonard, ça peut le faire grave de ouf aussi. Il va prendre du rebond, il va shooter. En plus, il échoue à Call of, du coup, il pourra jouer avec nous. Vas-y, on va lui proposer un contrat mini sur 3 ans. Histoire de bien l'arnaquer. Brandon Ingram, il veut 27 millions. Putain, on va banquer. Il y a qui lui a proposé à lui là? Nous, on a agent libre restreint, donc ça me va. Ok, ça va. Pour le moment, 72 millions, ça me va, vas-y. Signez-le, les mecs, surtout. J.R. Smith, il accepte. Duncan accepte. Meyers accepte. Chaud. Je vais renoncer au droit de Sterling, de Robinson, ce qui va nous faire gagner un peu d'argent, et de Ish Smith. Par contre, Brandon, évidemment, on garde. Brandon, en fait, l'idée, je pense, ça va être de le garder, de le re-signer pour peut-être le retrade plus tard. Mais il faudra qu'on attende le milieu de saison, quoi. Prends Jeremy Grant. On a déjà Hachimura dans le même bac que Grant, en fait. Donc non, Grant, on n'a pas besoin, frérot. Grant, on n'a pas besoin. On a Chimura qui est dans le même profil un peu, tu vois. Je pense qu'en vrai, pour le moment, faut attendre. On n'a pas le choix d'attendre que tout passe, en fait. Il nous faut un troisième meneur. Didi Barré en troisième meneur, why not? Haïti en troisième meneur, grave chaud. 5 millions, il veut. Frérot, je te les propose. Ensuite, on a besoin d'un troisième arrière aussi. J'en ai déjà. Non, j'en ai signé deux, putain. Il nous faudrait un troisième ailier. Dans la logique, on va re-signer évidemment Mister. Ça, c'est pas mal en vrai. Ken Bazemore, j'aime bien, il défend bien. Il shoot. J'aime beaucoup. Je me prends pas trop la tête, les gars. Je réfléchis pas trop. Après, c'est des troisièmes ailiers, des troisièmes pivots. Enfin, c'est voilà, c'est des joueurs qui vont pas avoir beaucoup d'opportunités. Mais au cas où, quoi. Il faut ramasser les serviettes, tout ça, tu connais. Taylor Hero, ça peut être pas mal. Mais il a pas, il est pas agent libre. Pas de patte. En troisième, 4. Pas de patte, c'est bien. Il coûte 1 million, c'est surtout ça que je regarde en fait. Après Marquis Morris, c'est pas mal aussi, mais il va un peu plus que pas de patte quoi. On va proposer un contrat à pas de patte aussi. Je fais exprès de proposer des contrats de 2-3 ans. Ils approuvent tous! Let's get it! Brandon Ingram. Là on renonce, on renonce. Brandon Ingram est sur le. Ah voilà! Brandon Ingram est sur le point d'accepter une offre des Hawks. Vous allez recevoir une chance de proposer un contrat équivalent. Ok, ben les gars, on fait ce que j'avais dit. On s'aligne sur le contrat de Brandon Ingram. Par contre, il nous manque 1 million pour re-signer beaucoup de joueurs à cause de ça. Ok, c'est bon, on s'est aligné sur Brandon Ingram. Du coup, il est avec nous, le malheureux. C'est Brandon Ingram, on garde, ouais.
En fait, l'idée de Brandon Ingram, c'est de le garder pour l'Eurotrade. En fait, Brandon Ingram, je suis très déçu de ce qu'il a fait cette saison avec nous. Il tourne à peine à 10 points de moyenne la saison dernière. Du coup, vraiment pas ouf. Du coup, on vient de le re-signer pour 27 millions la saison. L'idée, ça va être de le trade. Là, on va pas pouvoir le retrade maintenant parce qu'on vient de le signer. Mais du coup, on va attendre un petit peu et on va le trade plus tard contre un gros monsieur. Qui sera probablement. Enfin, je l'espère meilleur que lui, quoi. Si t'as fait des bonnes choses. Ouais, franchement, on a fait des bonnes choses. Je suis content de ce qu'on vient de faire là. Il nous faut toujours un troisième meneur. On a Duncan Robinson qui vient de signer. On a Bazemore qui vient de signer. Pat-Pat et Leonard ont signé aussi. Donc, franchement, je suis plutôt satisfait. On a le petit rookie qui est ici, quand même, à 73. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est un troisième meneur et un troisième arrière, en fait. Parce que J.R. Smith et tout, en fait, on n'avait pas assez d'argent pour les signer. Du coup, ils ont signé ailleurs. Moi, je propose qu'on refasse venir. Ah non, Etwan More, c'est pas mal. Non, vas-y, on va reproposer à un petit contrat à Wes. Et on va proposer un petit contrat à Che. Ah ouais, Randle. Putain, non. À Teotozic. Bon, y a plus grand monde, hein, mais. Vas-y, Livingstone, les mecs, pour l'expérience. Moins 33 millions de marge, MDR. Il va être content, le proprio, ouais, je te jure. Allez, accepte Livingstone. Voilà, Livingstone accepte 3 ans de contrat, frère. Papy Living. On a donc nos joueurs, les mecs. Mais combien de temps faut que j'attende avant de pouvoir. Voilà, faut que j'attende le 15 janvier avant de pouvoir trade Brandon Ingram. Du coup, on attendra, tout simplement. Je pense qu'au niveau de l'effectif, on est bien. Notre 5 majeur actuellement, les amis, est Kemba Walker, Bradley Beal, Brandon Ingram, Hachimura et Brook Lopez. Backup. Devontae Graham, Duncan Robinson, Kelly Oubre, Pat-Pat, Kenneth Farid. Franchement, c'est pas mal du tout. Je suis plutôt satisfait de notre effectif. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On peut encore signer un dernier arrière, ce qu'on va faire. Ah oui, Brandon, Wesley Matthews n'a pas encore accepté en fait. Ok, apparemment le bail n'est pas passé, il a refusé. On n'a pas assez d'argent en fait. Ok. Ok, il accepte. Vas-y, let's go. On signe Wesley Matthews. C'est bon, on a rempli notre roster. Wesley Matthews qui était déjà là en plus, donc ça me va. Et ce qu'on va faire, les gars, on va aller au camp d'entraînement. Pas mal, pas mal. Ouais, l'équipe est pas mal. Maintenant, je suis très déçu de Brandon Ingram. Il a re-signé 4 ans. Enfin, il n'a pas eu trop le choix. Mais. Je suis pas satisfait de Ingram, donc on va voir ce qu'il fait cette saison. On va voir comment l'équipe se. Comment ça se passe, quoi, tout simplement. S'il fait du sale, on sait jamais, parce qu'il va signer un nouveau contrat, on va voir. S'il fait du sale, on garde. Mais s'il tourne encore autour des 10 points par match, je trade. En plus, c'est ma deuxième option offensive, je crois. Donc. Pas ouf quoi. Troisième, donc pas ouf. On va peut-être d'ailleurs enlever les options offensives. On va donner du tir extérieur à Kemba. Du coup, ça le monte pas mal. Et on va donner aussi du tir extérieur au petit rookie Devontae Graham. Et puis voilà, là on sera pas mal. On passe à la saison suivante. Let's get it! Ah, Ingram doit s'ennuyer. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Mais il a pas le choix de signer vu qu'il était agent libre restreint, tu vois. Mais après, c'était le projet en fait. C'est pour ça que je l'ai pris en fait. C'était en mode, de toute façon, il n'a pas le choix. Donc on peut le prendre, c'est sûr. Hop là. En tout cas, les amis, n'hésitez absolument pas à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. À me follow en appuyant sur le petit cœur. Tout simplement. En appuyant sur le petit bouton suivre. Venez me suivre sur Twitch. N'hésitez pas à me soutenir avec un sub, les gars. On vient de redescendre à nouveau aux 550. Ce qui est énorme, mais on commence à en perdre un petit peu petit à petit. Donc n'hésitez pas à re-sub si jamais vous n'êtes plus sub, les amis. Pour l'exclamation sub. Pour l'exclamation re-sub, si vous kiffez, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez me soutenir, ça coûte pratiquement rien. C'est même gratuit avec le Twitch Prime. N'hésitez pas, messieurs, dames. Et puis là, on est donc parti pour notre deuxième saison NBA. On va juste regarder tout ça. On peut passer à 3 étoiles et demie, ce qui est un peu dommage. C'est vraiment Brook Lopez qui n'aime pas le game, en fait. Tu vois, par exemple, là, 7 secondes, il kiffe. Équilibré, il kiffe. Hachimura est pas fan.
Et Lopez est pas fan en fait. On va se mettre en équilibré déjà. Parce que nos trois stars sont fans de ça, donc c'est le principal. Mais l'accent sur le contrôle de ballon et le rythme pour limiter les pertes de balles. Inconvénient bon partout, mais ne brille nulle part. Tu vois, défense, on n'a pas des gros défenseurs. Hein. Si on a 7 secondes, un rythme rapide peut être synonyme d'une défense moins efficace. Souvent dépassé au rebond, réduit l'efficacité offensive lorsque le rythme faiblit. Offre de nombreuses opportunités de tir rapide. Là, si on n'est pas bon, let's go! Merci frérot, merci Victor le King d'avoir sub avec ton Twitch Prime. Merci de ton soutien, de ta contribution. Merci beaucoup mec, voilà, j'ai proposé, tu l'as fait, c'est énorme. Merci mon pote. Maximum de GG s'il vous plaît dans le chat pour lui. Merci Victor, merci mon pote. Bienvenue à toi dans la team paf, gros. Je vous rappelle, n'hésitez pas à venir sur mon Discord d'ailleurs, hein, les gars. On ira peut-être tout à l'heure, je verrai. Et maximum de GG pour lui, s'il vous plaît. Du coup, ouais, on est pas mal du tout là. Non, on est pas mal du tout là. On est pas mal, il y a juste notre pivot qui est pas trop fan de ça, quoi. Mais vas-y, on est pas mal. Vas-y, voyons voir ce que ça donne maintenant, hein. Coaching, on va aller voir vite fait. Et les minutes sont générées. Kemba, Bill, Hachimura, Lopez, Ingram. Ok, c'est pas mal. Hachimura qui est monté à 94 de... 84, pardon, le général, quand même, c'est pas mal. Kilobri 82, Graham a gagné 1 aussi. Duncan Robinson, tout ça après, voilà. Non, on a un gros banc aussi, je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec vous. Les entraînements. Non, merde, c'est pas ça. On va faire équilibrer, équilibrer. Et ensuite, je vais aller voir un dernier truc. C'est les options offensives et tout. On va mettre aucune préférence, voilà. C'est le coach qui gère. On va essayer d'avoir un collectif en fait. Allez, voyons voir ce que ça donne, les gars. On pourra le trade au mois de janvier. Du coup, on va aller jusqu'au mois de janvier, à peu près le 27. Voir ce que l'équipe donne déjà pour le moment. Alors, Thomas, je fais le premier tour. Non, on refuse. On commence la saison par une victoire. C'est cool. De fait. Kemba, Rudy Gobert, non. Ok, victoire. Ce serait bien de rester en guerre contre les champions NBA, ouais, c'est cool. Qui sont Brooklyn, je vous rappelle. 3 victoires pour 2 défaites. 4 victoires pour 2 défaites. Pour tester quoi? En fait, on va voir si. On va voir comment ça se passe. Stauffer, c'est un vrai coach? Je crois pas. Je le connais pas. De victoire pour 3 défaites. Pour le moment, ça marche pas trop mal. Pour le moment, l'équipe marche pas trop mal. On gagne 2 fois contre les champions NBA quand même. C'est pas mal. Coast. 12 victoires pour 4 défaites. On est pas mal du tout. Hein. Franchement, on est pas mal du tout là. Hein. J'ai l'impression que. C'est lui, Zerator, tiens-moi. J'ai l'impression que l'équipe fonctionne pas trop mal. J'ai l'impression que l'équipe fonctionne pas trop mal pour le moment. Les Lakers, c'était bien de gagner. On perd 2 fois contre les Lakers, je crois. Ok. Au moment où je dis ça, où je dis que j'ai l'impression que ça marche un peu mieux, on perd 3 matchs de suite. Enfin, 2 matchs. Ok. Les Warriors, on perd. Non, Alexandre. Non, je pense pas qu'il n'y aura pas de parc après, les gars, je suis trop fatigué. Après le pas sauvé, les gars, je pense que ce sera la fin du live, parce que je suis vraiment fatigué. On a fini à 6h du mat le live la nuit dernière, mec, je suis trop dans le dur. Et demain, j'ai du gros montage à faire pour dimanche, donc j'assume pas vraiment. J'ai du mal à assumer, les mecs. 19 victoires pour 11 défaites, on est bien. Ok. Allez, ah merde, non, j'ai cru que c'était la fin. Pour moi, on a un bon bilan. Tout se passe plutôt correctement, plutôt bien. Je suis plutôt content. 5 victoires de suite, vraiment cool. Défaite sur défaite, non. Franchement, on enchaîne les wins, c'est cool. Allez, on tape les Lakers, s'il vous plaît. Let's go, voilà, on tape les Lakers.
On se refait taper par les Warriors, par contre, qu'on est vraiment une belle équipe maintenant, je pense. On tape les Clippers. Atlanta. 3 victoires de suite, les gars. 3 victoires de suite, on est bien. Faut continuer. Voilà, 4 victoires de suite. Let's go. Et là, on avait dit qu'on s'arrêterait ici. Alors, voyons voir l'équipe, comment ça se passe. Stade des joueurs. Alors, Brandon Ingram est à 13 points par match. On va voir ce qu'on nous propose, mec. On va voir vraiment ce qu'on nous propose contre lui. Bradley Beal, ça va. Kemba, il... En fait, tout le monde est quand même en dessous de ses stats. Hein. Mais j'ai décidé de ne pas avoir de préférence. J'ai décidé de ne pas avoir de préférence au niveau de l'attaque, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont... Ils scorent pas énormément. Tout le monde score un peu, en fait. Mais Brandon Ingram, 13 points, putain. Brandon Ingram, il met 13 points par match, il prend 6 rebonds, il fait 3 passes, il perd un ballon et demi. On va voir qui est chaud. On va voir ce qu'il vaut parce que ça me fait chier en fait. Il est monté 88 en plus, donc il a un peu de valeur, il a un beau contrat, donc ça peut intéresser du monde. Chris Middleton. Jimmy Butler! Kendrick Nunn! Jimmy Butler! Je veux juste regarder ce qu'il y a encore, ok? Bon, les gars, on... CJ McCollum! Ouais, Jimmy Butler, c'est quand même... CJ, je kiffe, hein, mais dans notre effectif actuel, je pense que Jimmy, ça fait grave le taf. Les gars, je pense, on est d'accord. Dans notre effectif actuel, ça, c'est le feu quand même. Par contre, ils veulent mon Deontay Graham, ça me fait un peu chier. Ils nous filent Kendrick Nunn à la place. Pourquoi pas? En plus, actuellement, dans notre équipe, niveau défense, on pue vraiment la merde, donc ça peut vraiment un peu mal. On accepte? Je vais voir si je peux essayer de traficoter pour garder mon Graham. Ok, il me propose du coup mes premiers tours. Ils sont un petit peu exigeants maintenant là d'un coup. Ils veulent deux premiers tours, wesh. On va accepter, vas-y. Kendrick Nunn contre Devante Graham, on va accepter, je pense. Il reste un an, Kendrick Nunn, il reste un an aussi, mais c'est des contrats rookies, donc on peut les re-signer encore un an. Contre Al Butler, c'est encore 2 ans, les gars, hein, tranquille. Tranquille. Au prix où tu le payes. Vas-y, on accepte. Let's go! Bon, on a un gros client. Là, franchement, ça fait grave la diff. Franchement, là, notre équipe vient clairement de prendre une autre dimension. Hein. Sur le papier, en tout cas. Sur le papier, l'équipe vient de prendre une dimension de malade. Kemba Walker, Bradley Beal, Jimmy Butler, Hachimura, Brook Lopez. Voici notre 5 majeur. Voici notre 5 majeur qui est archi, archi bien. Notre banc maintenant, c'est Kelly Oubre, Kendrick Nunn, Duncan Robinson et Kenneth Farid. Meilleur, c'est Leonard, aussi qui échoue avec Livingstone. Ça se tient. Franchement, ça se tient de ouf. Ça porte de la def, tu peux pas refuser. Ouais, de ouf. Franchement, ça se tient de ouf. Et je pense que là, si on gagne pas plus de matchs avec ça. Il y a un problème, messieurs, dames. Est-ce qu'on gagne un... Non, on gagne pas forcément là-dedans. C'est vraiment notre. Brook Lopez qui fait chier là-dessus, en fait. Dans notre effectif, en fait. Brook Lopez, ça lui plaît pas. En fait, il faut. Vitesse et espace. Je sais pas pourquoi il aime pas. Le système préféré du coach, c'est vitesse et espace. Donc, comme ça, c'est réglé. Je sais pas pourquoi ils aiment pas. Vitesse espace en gros, augmente le nombre d'occasions en 3 points. Ouais, c'est parce qu'il shoot pas à Chimura, je pense qu'il aime pas.
Et 4, la défense adverse, mouvement incessant. Hachimura, on va voir sans Brook Lopez, trade Lopez. Brook... Ouais, Lopez, il n'aime pas du tout, en fait. On va voir ce qu'on nous propose, ok? Il coûte 12 millions, quand même. Wilson, dans l'idéal, il nous faudrait un pivot qui court, en fait. Et qui shoot, si tu veux que ça rentre dans le système. Moi ouais, j'ai une idée. Ça courra pas, mais ça fera quand même le taf. Donc j'ai grave une idée, les gars, qui va vous plaire. J'ai grave une idée qui va vous plaire, qui peut être jouable. Je pense que ça va être chaud. Mais ça peut peut-être se faire. Putain, j'ai passé. Pas du tout en fait. Ah oui, il manque 10 millions quand même. Ah. Il manque 10 petits millions quand même. Hein. Ah oui, quand même. Ah, je suis déçu. Non, en vrai, le top du top, ce serait. Mais je sais pas où il a signé. Ce serait Montrez en fait. Ce serait Montrez en fait. Il court, il défend. Montrez serait le feu, mais je sais pas où il a signé et pour combien. Bah il est là, voilà. Il a signé au... Ah, mais il a signé aux Clippers pour 24 millions. Ils ont que 14 joueurs. Putain, Kelly Oubre, il a pris grave de valeur, vous avez vu? 3 étoiles la nuit, frérot. Montrez, ce serait grave. Après, il y a Bam Adebayo aussi. Mais Bam Adebayo, il est en dernière année de contrat, là. Bamba, c'est pareil, les gars. Et je pense pas que ce soit le feu Bamba. Je vais aller voir, ok? Je vais aller voir où il en est. Orlando Magic. Bamba, oh, quand même. C'est sa dernière année de contrat, mais... Il a encore une année option équipe. Mais c'est 5 millions en fait. Il a vraiment un contrat de merde. Donc faudrait y rajouter un petit joueur qui coûte un peu d'argent. Genre Alpha et Caminou quoi. Et nous faudrait qu'on rajoute un petit joueur qui coûte R. Genre. Genre lui. Qui a un petit peu de valeur en plus, donc plutôt cool. On a encore deux choix de draft. Ça peut le faire. En vrai, dans notre projet, ça peut le faire. Je pense que le projet peut lui plaire. C'est un meneur qui court. Un meneur. C'est un pivot qui court, qui shoot, qui défend et qui a quelques petits moves au poste. Donc, et qui prend du rebond. Ouais. Je sais pas, il a combien en rebond, en note. Dunk avec 93 en dunk. Voilà, c'est ça que je veux voir. Rebond, il a quand même un A. Donc, non, en vrai, ça peut grave se faire. Marc Gasol, non, il se fait vieux en plus, les mecs. Capella, non, Capella, non. Capella, non, je veux pas, vous êtes des ouf. Je préfère 100 fois miser sur Mohamed Bamba. Parce que Capella, enfin, Mohamed Bamba, il a encore 2 ans. Il a 5 millions, frérot. Hein, donc, trop vieux, Ibaka. Ibaka, Marc Gasol, gros, ça m'intéresse absolument pas, c'est trop vieux. Yusuf Nurkic, non, en vrai, il a un bon profil. Puis, ce mec, Bamba. Après, je pense que ça va être tendu. Mais. Il refuse. Kelly Oubre, c'est sûr, ils accepteraient. Mais du coup, on perdrait un bel ailier, quoi. Bamba, c'est carré, ça fait. Sinon, t'as Mitchell. Ouais, sinon, il y a le petit Mitchell. Je préfère quand même Bamba à Mitchell. Mitchell Robinson. On va aller voir Mitchell Robinson. Quand même. À côté d'Enix.
On est sur le point d'avoir quand même une équipe bien pétée, les mecs, hein, dans le bon sens du terme. Ah oui, Robinson, quand même. Ah oui. Il prend. Ah ouais, mais 1 million, mon pote. Il prend 1 million de dollars, les mecs. C'est impossible. Ils ont pas assez d'argent. Ils ont pas assez d'argent. Turner, non, c'est mort. Turner, c'est vraiment pas bien. On a Sabonis au Turner. On parle d'un pivot. Non, non. Bam. Bam, c'est pas possible, les mecs. Regardez, je vais vous montrer pourquoi. Bam Adebayo, il prend 5 millions. Non, on va aller voir du côté. Pourquoi pas Montrez. Ah, il fallait que je rajoute un mec. 12-24. Il fallait que je rajoute un mec qui vaut 10. Non. Est-ce que je tente Kelly? Je sais pas, gros. Si je le mets, c'est. C'est mon élite backup, en fait. Donc c'est pas très grave. Enfin, si, quand même. Mais. Non, mets-le pas. Mais il nous faut un mec à 10 millions en fait, c'est ça le problème. On a Duncan, mais pareil, Duncan, je veux le garder, frérot. On l'a signé 3 ans en plus. Mais c'est Montrez quand même, je suis d'accord. Non, Allen, non, parce que Allen, il va pas courir. Allen, il court pas, frérot. Là, on est dans un bail où. Où j'aimerais. Non, Steven Adams. Je vais regarder les mecs qui ont plus d'impact sur mon équipe déjà. Voir si il a vraiment un impact sur mon équipe. Il a combien de... Kelly Oubre, il a 13 points par match. Duncan, il a... Ah oui, Duncan, il est qu'à 8 points par match par contre. Donc Duncan, on peut pourquoi pas s'en séparer. Et il a 12 millions la saison... merde, non, il est à 8 millions la saison. Duncan, pourquoi pas? Duncan, pourquoi pas? Il est en dessous de sa stat, donc on peut essayer de faire quelque chose. Bon, on va aller voir Bamba pour commencer. Je pense que c'est le plus. C'est le celui qui correspond le plus au profil de notre équipe. Mais il coûte que 5, on avait vu. Donc on va déjà commencer par faire ça. C'était ça, je crois. Mais c'est pas encore assez cher en fait. 5, 8, 12, 9. Putain. Il fait chier, Brook. Hein. Brook, il fait chier. Son contrat fait vraiment chier. Il y a DeAndre Jordan, mais il coupe pas DeAndre, les mecs. John Collins, c'est pareil. Enfin, après, je dis peut-être de la merde, hein, mais. On va essayer avec Montrez, allez. On va essayer de forcer, les gars, parce que. J'ai pas envie de mettre non plus 10 ans à se faire tout ça. On a dit qu'on mettait Duncan. On mettait. Merde, j'ai mis Kenneth. On mettait Brook. Du coup, ça fait kiff-kiff. Et ensuite, on rajoute nos choix. Il refuse. Donc, on va essayer de choper un choix draft. Un premier choix, ok. Je suis relou, je sais. On va voir le mec qui joue jamais. Et malheureusement, celui-là, il joue jamais. Oh putain, il a chuté, il a 73 de jeune.
L'ascenseur ne nous intéresse pas. Ok, let's go. On a un nouveau premier tour. C'est plutôt cool. On a trois premiers choix du coup. Boban et Val contre Fournier et Oubre. On va voir. Ça peut se faire, mais on va voir. Après, je sais que je mets du temps là. Mais si on y arrive, par contre, c'est archi lourd. Evan ne joue plus les mecs pour le Magic. Evan ne joue plus pour le Magic, messieurs, dames. Qu'il oublie, il a chuté un peu. Brook Lopez. Coup 13, 12. 14, 5, putain, ça te fait toujours pas kiff kiff 0. Ah, il fallait que je rajoute à Minou. Mais pourquoi transfert non valide? L'équipe ne peut plus avoir plus de 15 joueurs. Ah, c'est que j'ai plus de 15 joueurs si je fais ça, putain. Non, je vais te filer. Enfin, tout ça pour que ça, au final ça se fasse peut-être pas. Accepte, s'il te plaît. Putain! Oh! Oh putain! Oh my god! Karl Anthony Towns. Oui, 4 ça peut être archi bien dans notre effectif, mais 30 millions je crois. Si j'ai Terence Ross, en fait ça me dérange pas de lâcher Kelly en fait, les gars. Si putain. Oh my god. On vient donc choper un gros pivot et ça me fait plaisir. Par contre, on vient de casser 2-3 trucs de l'équipe. On va voir ce que ça donne. Alors, voici notre nouvelle équipe, messieurs, dames. Notre meneur titulaire est donc Kemba Walker. Notre arrière est Bradley Beal. Notre ailier est Jimmy Butler. Notre poste 4 est Hachimura. Notre pivot titulaire devient donc Mobamba, ce qui était un gros point faible de notre effectif. On vient donc là de renforcer notre défense et notre poste 5 avec deux gros joueurs, je trouve. Notre nouveau meneur backup est Kendrick Nunn. On a donc perdu quand même Graham. Maintenant, Kendrick Nunn, ça va, franchement, c'est pas mal du tout. On a perdu aussi Kelly Oubre, mais qu'on remplace par Terrence Ross. Franchement, ça me va, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Meyers Leonard, toujours, après, ça n'a pas bougé quoi. On a Aminu qui vient de rentrer dans l'effectif, mais apparemment, le coach veut lui donner des minutes. Mais c'était surtout pour équilibrer au niveau des salaires. Non, franchement, on a une belle équipe. Très clairement, on a quand même une très belle équipe. Et là, par contre, ça doit bouger, non? On reste toujours à 3 étoiles et demie. Maintenant, c'est Hachimura qui fait chier. Oh, bah, Hachimura, quand même, oh. Ah, on peut passer à 4 étoiles en 7 secondes. Vas-y, on va passer comme ça. Et on a bien fait, vous avez vu, je vous avais dit, Mbamba, il est parfait dans notre système. Et vous avez vu Bamba du coup qui kiffe. Bamba qui kiffe, qui rentre bien dans le système de l'équipe. Et ça c'est vraiment vraiment cool. Et ça c'est vraiment 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 cool. On a juste Hachimura, mais on voit ça. Vas-y Hachimura, je peux regarder par curiosité qui on nous proposerait contre lui. Mais pour être honnête avec vous les mecs, je pense que c'est pas mal Hachimura quand même. On n'a plus de choix de draft, on n'a plus rien non plus. Hein, donc je vais pas vous cacher que là ça risque d'être compliqué. Mais par curiosité, au poste d'ailier fort, on a du Brandon Clark, ce qui est pas mal en vérité. Du Cameron Reddish. Mitchell Robinson, il se fout de ma gueule.
C'est trop tard maintenant, on n'en a plus besoin, hein, mais... Mais, ouais, Javal Magui, Mitchell contre Kenneth Farid et Hachimura. Kuzma! Kuzma, c'est pas mal du tout, hein. Par contre, on perd un peu en notre général, mais par contre, ça shoot, ça joue. C'est pas mal du tout dans notre bail. Kuzma, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Kuzma, c'est vraiment pas mal. Non? Vous en pensez quoi? Michael! Non, non, Michael Porter, les gars. Il vient de monter à 86. On le fait jouer 6, on le fait jouer 4. C'est pas mal du tout, Porter, par contre, hein. Je regarde un peu la suite, mais Porter, c'est archi bien, hein. Et en plus, il est jeune, il a encore un an de contrat. Contrat rookie, en plus. Porter, par contre, c'est archi bien. Ouais, tout le monde dit oui, évidemment. On perd juste Meyers Leonard en échange et on a Marvin Williams. Ça me dérange pas parce qu'on a failli signer Marvin Williams à la base, à la place de Meyers. Donc, vas-y, on accepte, les amis. Banks! Ah, et gros, on est pas mal du tout. Je vais juste essayer de passer Porter au poste 4. Il a 86 de gêne. Si je le passe en ailier fort, il va perdre probablement un ou deux. Hein. Oh non, il a rien perdu du tout. Enfin, il a perdu 1. Ok, vas-y, c'est bon. On a notre ailier fort titulaire. Mais Mitchell Robinson en 4. Mais on n'a pas signé Mitchell Robinson. Et Mitchell Robinson ne shoot pas. En plus, il... Franchement, ouais, non, Michael Porter, c'est lourd. Michael Porter, c'est vraiment lourd, les gars. Là, on a une équipe, frérot. Incroyable. Kemba Walker, Bradley Beal, Jimmy Butler, Michael Porter, Mobamba. Kendrick Nunn, Terrence Ross, Kenneth Farid, Aminu, Mo Williams sur le banc. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal le banc. Je suis plutôt content. Mais on a une équipe qui est très très forte. Et on a un 5 majeur qui est très 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 fort aussi. Hein. On va donc revoir les aptitudes, voir si on peut monter un peu. Non, on peut pas monter plus que ça. Notre coach aime bien le vitesse et l'espace. Est-ce qu'on peut le remettre? Non. Non, ça ne monte pas plus que ça. On est en 7 secondes. Mais on reste en 4 étoiles en 7 secondes. Mais Michael Porter kiffe. Alors que Hachimura kiffe un petit peu moins. Bah, en même temps, il shootait tout. Non, franchement, on a une très très belle équipe. Bravo, bravo. Merci les mecs. Merci les mecs. Non, on a une très très belle équipe. Ce que je vous propose, c'est qu'on simule donc le reste de la saison. Et qu'on joue un match de playoff. En espérant évidemment que ça marche sur le papier. Ça marche sur le papier, c'est vraiment pas mal. Maintenant, normalement, sur le terrain, ça devrait le faire aussi. Parce qu'on a une très bonne entente d'équipe. Apparemment, dans le système, tout le monde, franchement, c'est le feu de ouf. Donc, on va voir ce que ça donne. Chris Paul, Denzel Valentine, Livingston. Lui reste un an de contrat en plus. Sinon, on sauve pas l'équipe si on fait ça. Surtout en prenant Chris Paul et ses 41 millions. Non, 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 on refuse. T'as déjà pensé à postuler en tant que coach des Wizards? On refuse. On fait que gagner hein, depuis qu'on a monté les derniers trades. Bon, on a joué deux matchs. Miami, let's go. On gagne de 1 point. Non, 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 on refuse, on refuse. Chris Paul en playoff, après, c'est lourd, je suis d'accord. Mais Kemba, je pense qu'on a une bonne entente. Je pense, vas-y, c'est bien de pas tout bouger là. On va pas tout casser encore, surtout Kemba, quoi. Surtout Kemba. Les transferts, c'est. On a. Putain, on perd contre Fila. On gagne Indiana. Faut gagner Orlando quand même. On a quand même pas mal de joueurs qui viennent de là-bas. Voilà. On leur met une belle balle. Une belle balle, une belle tôle. Les Knicks, c'est vraiment réaliste. Ils sont vraiment aussi cons dans le jeu qu'IRL. Mec, vous avez vu, ils ont failli me refiler Mitchell Robinson contre presque rien, gros. Contre Hachimura. Après Hachimura, ok, c'est lourd. Mais Mitchell Robinson, frérot. Arrête. Mitchell Robinson. Est-ce que Chris Paul gagne plus que LeBron? Oui. Je crois que oui. Parce que Chris Paul, je crois que c'est le plus gros contrat de la NBA. Donc. Non, 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 je dis de la merde. C'est pas le plus gros contrat.
Parce que. Mais je crois qu'il gagne plus que LeBron. Mais les gros contrats, t'as Damien hein, qui prend 60. Enfin, qui prend genre 40 millions actuellement. Mais d'ici 1 ou 2 ans, je crois qu'il monte à 50 ou 60. Damien. Non, c'est pas le plus gros contrat de la ligue. Mais c'est un beau contrat. Et surtout qu'il se fait vu en fait. Chris Paul, c'est surtout ça en fait. En vrai, on fait une excellente saison du coup. Hein. Franchement, c'est bien. Sur le papier, ça marche. Sur le terrain, ça a l'air de marcher aussi. C'est lourd, je suis content. Mais ouais, LeBron, il a pas un contrat exceptionnel. Mais je crois qu'il s'était voulu. Enfin, LeBron, je crois qu'il s'en bat les couilles en fait. Il a pris un contrat max. Et Chris Paul, après, il avait un. En fait, il a pu signer aussi cher parce que quand les Rockets, en fait, ils l'ont signé, ils avaient pris son contrat des Clippers. Donc, ils avaient un. Ils avaient. Il était All-Star et tout en plus, donc il avait droit à un contrat max d'enculé. Il avait en plus plusieurs années, je sais plus c'est quoi, enfin bref. En gros, il avait droit à un contrat de malade, tu vois. Parce qu'il avait été trade. Alors que LeBron, il était agent libre, donc. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Mais. En vrai, du coup, on a fait une excellente, excellente saison. On finit la saison par une victoire face aux champions NBA. On a donc MVP Giannis Antetokounmpo. On a LaMelo Ball Rookie de l'année qui joue où d'ailleurs? J'aimerais bien voir sa tête, voir où il joue. Qui joue à Cleveland. Ok. DeMarcus Cousins meilleur sixième, une deuxième année de suite. Kawhi meilleur défenseur, meilleure progression. Markelle Fultz et Rick Carlisle, Carl. Ok. Coach de l'année à Dallas. Non. Si. C'est Dallas. Je crois que c'est Dallas, je suis pas sûr. Ensuite, nous avons aucun joueur dans le premier, aucun joueur dans le deuxième, aucun joueur dans le troisième. On n'a jamais de joueur de toute façon, donc comme ça change pas. Ah si, on a Jimmy Butler dans le deuxième rôle défensif. Plutôt cool. Et on n'avait pas de rookie. Si on avait un rookie mais qui jouait jamais, donc c'est pas. Ok. On va voir les classements et tout les gars. On a dû finir premier hein, normalement. Ouais, on a fini premier de conf devant Boston. Excellent, franchement, excellent step-up. On a fait un excellent travail, l'équipe. Franchement, merci de votre aide. Vous m'avez grave aidé, hein, franchement. Autant des fois, ça a été compliqué, j'ai pas mal râlé. Mais franchement, vous m'avez beaucoup, beaucoup aidé. On finit premier de conf. Ouais, c'est donc Dallas ouais, qui a fini premier de conf de l'autre côté. Putain, ça se joue à rien. C'est notre coach, quoi, de finir un coach de l'année. Au niveau des stats, stats des joueurs. Bradley Beal 20 points, Porter 18 points par match, Kemba 16, Jimmy 15, Kendrick Nunn en sortie de banc, 6ème homme 12 minutes, Mobamba 10, mais surtout 8 rebonds par match, une interception, un contre. Non, très bien, tout marche bien, 10 points pour Terrence Ross, Kenneth Farid 6, très très bien. Porter par contre c'est 18 points par match, 7 rebonds, une passe, une interception, un contre, c'est vraiment fort. Jimmy Butler c'est 2 interceptions par match quand même. Hein. Kendrick Nunn, c'est une. On a step up de ouf la défense avec ces petits trades qu'on a fait. Du coup, on va affronter Charlotte pour le premier tour. Donc, vas-y, let's go. En espérant qu'on n'ait pas de surprise. Et qu'on tape bien Charlotte. Non, parce qu'on est surtout qui, les gars, je vous rappelle. Voilà, 1-1. 2-1 pour nous. 3-1 pour nous. 4-1 pour nous. Ok, on va donc affronter Milwaukee au deuxième tour. Qui, eux, ont battu 4-1 Atlanta. Ensuite, de l'autre côté, c'est Boston contre Brooklyn. Et à l'ouest, Portland qui a tapé Dallas. Putain. Ok, en 7 matchs. Et Phoenix qui a tapé les Warriors. Ok. Mais surtout, ok, Lakers qui met 4-1 à Sacramento, qui est pas de surprise. Mais Utah qui met 4-2 aux Clippers, frérot, c'est incroyable quand même. C'est quand même incroyable. Hein. Et 7-3. Ok, vas-y, let's go. Faut taper, les gars. Milwaukee, s'il vous plaît. 1-0 pour Milwaukee. 1-1. 2-1 pour nous. 3-1. 4-1. Ok, on va donc en finale de conf. Excellent. J'aimerais bien jouer un match de finale NBA, ce serait lourd. Boston, eux, ont battu 4-2 Brooklyn. Et de l'autre côté, les Lakers ont battu 4-2 Utah. Et dommage pour Portland, qui a failli jouer une nouvelle finale de conf, mais qui a été tapé par Phoenix. Putain, Phoenix, c'est quoi leur équipe, gros? C'est quand même dingue. Je peux pas voir. Je peux pas voir? Ouais, c'est Phoenix. Kylian Hayes. Oh, Kylian Hayes, meneur titulaire de Phoenix. Devin Booker, Michael Bridges, Davin Bertans, DeAndre Ayton. Et sur le banc, DeMarcus Cousins, Troy Brown Jr., Bobby Portis. L'équipe sur le papier est pas incroyable, mais ok.
Vas-y, go pour les finales de conf. 1-0 pour Boston. 1-1, 2-1, 2-2. 3-2 pour nous. 4. Oh, heureusement qu'on a gagné. Hein. Ça a été super vite. Hein. Quoi? Phoenix a mis a sweep. What? Phoenix a sweep les Lakers? Ok. Ok. On est sur Touquet, les mecs. On est sur Touquet, les gars. Dame. Incroyable. C'est Touquet, hein. Ouais, c'est ça. C'est Touquet, les gars. Vive les Suns. Bon, les amis, on a donc un petit match NBA Finals face aux Wizards. Je vous propose qu'on joue un match. Pour faire ce match, on va évidemment jouer un petit match en Hall of Fame. Paramètres Hall of Fame, on va jouer en 5 minutes le carton. Ce sera le seul match qu'on fera comme ça de la vidéo et du paf soleil, enfin du stream. Et ensuite, on simulera tout le reste, qu'on gagne ou qu'on perd. Ok. Parce que c'est un paf soleil, il ne faut pas jouer beaucoup. Parce que c'est pas le but des paf soleil. Alors, Killian Hayes, Kemba Walker en face de lui, Devin Booker, Bradley Beal, Bridge. Sur le papier, on est meilleur. Je pense qu'on peut dire que j'ai sauvé les Wizards. Je pense qu'on est tous d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Killian Hayes en NBA, bah Killian Hayes il va jouer en face de nous là. Killian Hayes il se tape Kemba mon frère. C'est la fin NBA que tu ne verras pas du siècle. Y a peu de chance. Ouais. Match à domicile avantage à moins. Allez go. Voyons voir ce que notre équipe elle a dans le ventre. Killian Hayes, première saison en NBA, il joue une finale NBA. Pas mal, hein. Ah. Bien joué, la D. En plus, on est en Hall of Fame, hein, donc il va falloir défendre. Allez, porteur. Ok, let's go. Tout le monde shoot dans notre équipe. Ça, c'est vraiment lourd. Mobamba, pardon. L'ambiance. Attends, le son il est bien fort ou pas? Histoire que vous ayez grave d'ambiance. Voilà. Bondé. Non. C'était pour porteur. Maintenant, t'en fais un billet, tu fais une passée loop. C'est pas très intelligent, mais vas-y quoi. Let's go. Ok, let's go. Panther, je le kiffe en plus. Je le kiffe tellement ce mec. Il a un potentiel de malade. Ok. Let's go. Oh le bâtard. Ok, porteur. Oh là là, porteur, il est chaud! Porteur, il est chaud! Step back à mi-distance, on repasse devant. Y a match, les gars. Hein. Let's go, dégage. Non, zéro. Pff. Wesh. Oh là 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 là! Vous voulez du spectacle, les amis? Bah, y'en a. Après, Kemba pour crosser, il est connu, hein. Oh, Killian Hayes, il vient de casser les chevilles de... Il vient de casser les chevilles de Kemba! Oh! Et ce verre, mais wesh! Mais c'est quoi ce match? Oh, allez. Let's go, Woody.
1-1. Dommage. Les stats offensives de Kemba sont ouf. Ah, mais même Michael Porter, regarde. Intérieur A plus, 3 points A plus, mi-distance A plus. Le mec, en fait, il est bon partout. Merde. Putain. On a notre banque qui vient de rentrer. Merde. C'est bon, c'est bon. Gros dunker de Terrence Ross, je vous rappelle. Putain! Ok. Bien joué, Adé. Marcus Cousins sur le banc, par contre, ça c'est vraiment fort. Hein. Pour eux. Putain, ça défend bien. Mais wesh! T'es con quoi, Kenneth? J'avais bu une canette avant, sûrement. Ok, vraiment. C'était une blague de merde, je suis désolé. Rebond, rebond. Putain, il loupe la claquette. Bouge, bouge. Zéro. Superbe la départ, content. Ok, vas-y. Passe à 10, ça passe. J'ai du mal à tenir avec mon banc quand même. En plus, il a laissé deux joueurs de son 5. Killian Hayes et. Wouah, gros, insolence. Killian Hayes et Booker. Ok, nice. On joue bien par contre, hein. Goody, goody. Ok. Fin du premier quart, les gars, 15-15. On joue vraiment bien. On joue vraiment bien. C'est lui qui a le tueur, mec. Non, c'est pas le GG, les gars. Cette fois, j'arrive pas à le trouver. Hein. Ok, nice. On passe devant, les gars. Défense, c'est pas mal, par contre, à Milou. Hein. Par un périmètre à moins, raquette à moins. Bon, même si là, je me fais fumer. Ok, Kylian. Putain. C'est en début du floppy, les gars. Let's go, baby. Ça a l'air fort en face. Ouais, ouais, ça joue bien. Hein. Ça joue très bien en face. Putain, Ewan. Ok, le 5 rentre.
Ok, nice. Même Bradley Beal, hein. Défense sur périmètre, D+, hein. B+, pardon. C'est bien, hein. Une défense extérieure, elle est bien, hein. Externe, pardon. One, dommage. Ah, je loupe trop de lancers, gros. Ok. Goody. Non, 0-0. Super. Oh là là. Oh non! C'était bien joué! C'est mon timing qui est dégueulasse. Super. Et Mobamba, par contre, c'est incroyable. Hein. Salut Testa. Putain, dommage. La défense de son équipe est incroyable, j'avoue. Même Mobamba en tour de contrôle, il est vraiment bon. Vraiment bon, pardon. Oh, c'est zéro ça. Oh, sur Mobamba. Mon dieu. Salut des Graus. Des Graus. Avec Jimmy Butler qui contrôle la raquette externe. Ah ouais, d'accord, ok, pas de soucis. Dommage. Oh bâtard. Putain, j'ai mis 10 ans à shooter, gros. Faut pas qu'on prenne là. Non! Putain! Ron Kemba, il se fait fumer en défense, hein. Bamba, dans les 3 ans, ça monte. Ouais, y'a moyen. Hein. Voilà, allez, ça fait du bien celui-là. On repasse devant. Putain, ils étaient passés devant, sérieux? Superbe défense. Let's go. Fin de la première mi-temps, on mène 29-28. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Mais c'est lourd. C'est lourd d'avoir un match serré comme ça. On loupe pas beaucoup des deux côtés, hein. J'espère que vous kiffez en tout cas. J'espère que vous kiffez en tout cas. Booker, il est chaud à mort. Ouais, c'est un personnage.
Un puis de autant carré et joystick d'un côté. C'est chaud, hein. Faut vraiment que j'arrive à gagner ce match, ce serait vraiment bien. C'est grave lourd. Ouais, de fou. De fou. Ça finit au buzzer. Y'a moyen, hein. T'inquiète, tu vas gagner. On va essayer, hein. Putain, dommage. Non, 0-0, bonne dé. Super. Super. Les gars, c'est ceux qui étaient là hier. Let's go. C'était bien wesh, ça. C'était bien joué, ça. Hey Mika, ça va gros? T'as changé gros, tu te retrouves avec Butler sur toi. Hein. Mais je sais quoi cette brique? Porteur quand même. Oh. Reviens! Yeah. Oh putain. Il est chiant Kylian, t'es relou mec. Je sais que tu regardes peut-être, il regarde peut-être cette vidéo en plus. Ah. C'était un flotteur, hein. Oh là là, porteur, génial! Oh là là, mais Kylian! Oh là là! Oh Kylian Hayes, putain, il est chaud! Il est incroyable! Putain, je voulais la faute. Oh mais tu l'as, hein. Let's go baby. Let's go baby. Non, bonne faute, bonne faute. Kylianis, il est vraiment injouable là. Il est injouable. Quand il est plus beau dans la vraie vie quand même, hein. On va pas se mentir. Dans la vraie vie, c'est un beau gosse le Kylian. Hein. Oh mais putain, c'est pas du tout ce que je veux faire. Oh oui, bien ouais, let's go. On repasse devant. Quoi? Quoi? Putain. Tu remontes? Non, gros, Kenneth! Putain, gros. Ah, je joue tout sur... sur Bradley, hein. Je peux pas louper ça en vrai. Gros, sérieux?
Bonne démo. Faute sur l'écran. Let's go! Let's go, bien joué, mec. On passe devant. Ça se prend coup sur coup, à mort, gros. Oh là, Kylian, ouais. Mais wesh! Mais wesh! Fin du 13ème quart, on a mis les deux à un point. Yo, brioche, ça va mon pote? Putain. Tombeau à 30 minutes, paf. Mais là, quelqu'un de carton, je vais faire jouer que mon 5. En plus, on a un banc de retard. Salut lui. C'est bon. Zéro. C'est bon, tout le monde 5 va rentrer. Ouais. Let's go, bien joué. On repasse devant les gars, 11 points pour Michael Porter. Hein. Il est insane. Kylian le GOAT. Kylian, je sais pas, il a combien de points, mais il fait un pur match. Première saison NBA. Il fait ses premières finales NBA. C'est son premier match de sa vie en finale NBA. Il fait un match incroyable. Oh! And one! Le petit. Et là, le 5 rentre. C'est bon, là, il y a full 5, les gars. Bradley Beal, il a pas eu trop le temps de se reposer, mais vas-y, Balek. Les gars, c'est la finale NBA, gros. Hein. On s'en bat les couilles, hein. Life is good. You know what I mean? Life is good. You know what I mean? Life is good. You know what I mean? Life is good, you know what I mean? His life is good, you know what I mean? His life is good, you know what I mean? His life is good, you know what I mean? His life is good, you know what I mean? His life is good, you know what I mean? His life is good, you know what I mean? His life is good. You know what I mean? Like, his life is good. Brioche. Le mec qui rentre, il a bu l'apéro avec ses potes et tout. Il arrive, il lâche 20 subs. Mec, mais calme-toi! Mais calme-toi! Mec, life is good. Grave, elle est énorme. Bon, par contre, l'animation, je sais pas ce que vous en pensez, elle est cool quand même. Merci infiniment, mon pote. Brioche. Mec, je te remercie infiniment de ton soutien, de ces 20 subs que tu viens à nouveau d'offrir à 20 personnes sur le chat qui n'ont rien demandé, qui étaient comme ça, qui recevaient un petit cadeau comme ça. C'est incroyable. Merci infiniment à toi, mon pote. Les gars, voilà, enfin, j'ai même pas besoin de vous le demander, vous balancez un maximum de GG, de new subs et tout dans le chat. Vous êtes incroyables. Continuez de me bombarder tout ça, les mecs. Franchement, merci l'équipe. Merci infiniment. Merci infiniment, Brioche. Je te remercie. De tout mon cœur et je vous remercie tous
pour ce que vous faites pour moi, les gars. Cridel, Brioche, Mika, Korost, tous, vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Il y a aussi Etazienne, Marlène, Greg, Didil, tout ça. Enfin, vous avez tous offert des subs ce mois-ci et c'est incroyable. Merci les mecs. Merci les mecs. Merci infiniment à vous, l'équipe. Vous êtes insane. J'essaie de me reconcentrer vite fait, mais vous êtes incroyable, franchement. Rebond, rebond. Faut que j'essaie de me reconcentrer. Par contre, Brioche, hein, fais pas le fou, s'il te plaît. Minutes. Ah non, 5 minutes. 4 minutes. Dommage. Let's go, baby! Magnifique! Magnifique! Paf, tu veux pas 10 autres rabots pour égaler Cridel? C'est un ouf, mec. C'est un ouf. Cridel, il a un coup de pression, mon frérot. Je peux aussi être sub pour exclamation sub, les gars, si vous voulez vous sub. En plus, il me faut 300 subs venant de vous, sans donation. Twitch Prime et tout, je crois, on a à peu près 150 personnes qui subent de eux-mêmes. Et sinon, 300 subs offerts, les mecs, vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Vraiment, je vous remercie infiniment, les mecs, du plus profond du cœur. Franchement, vous êtes incroyables, je vous remercie. Vous êtes insane. Vous êtes insane. Vraiment. Mets-le, le brioche. C'est un malade, brioche. Gardez-en pour le mois prochain, les gars. Parce que quand je vais passer de 500 subs à 100, je vais bégayer, gros. Oui! Ok, j'ai la faute. C'est pas ce que je voulais faire. Mais les gars, mais vous pouvez vous payer des subs vous-même. Vous trouvez pas Brioche, il est assez généreux comme ça? Vous trouvez pas Korost, Brioche, Cridel, Dada, Mika, tous? Ils font pas assez des dingueries comme ça, là? Avec évidemment Etazienne, tous? Marlène, tout ça, France. Life is good. You know what I mean? 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 Life is good, you know what I mean? Life is good, you know what I mean? Life is good, you know what I mean? Stop trying to be God. Et Cridel, t'es vraiment un bâtard. Tout d'abord, t'es quelqu'un de incroyable. Eh mec, il vient d'offrir 100 subs en 2 jours. Il vient d'offrir 100 subs en 2 jours, mec. Vous vous rendez compte? 100 subs en 2 jours. Vous voyez, c'est écrit au-dessus de votre chat. Mais t'es incroyable. Mais t'es un bâtard aussi, wesh. Brioche, il voulait te rattraper. Oh putain, c'est incroyable. Mec, on arrive aux 600 subs. Faut que je mette à jour le truc. On arrive aux 600 subs, putain. Merci, Cridel. T'es incroyable, mec. 100 subs, putain. C'est la barre, tu vois, c'est... Tu vois, c'est le... Je sais pas, c'est le palier qui est incroyable, mec. 100 subs. Il y a des mois où j'ai eu que 100 subs en un mois, frère. Toi, t'en as offert... Oui, t'en as offert 100, en gros. T'es incroyable, mec. Les gars, s'il vous plaît, enfin... Franchement, un maximum de GG pour lui, s'il vous plaît. Bombardez-moi ça, enfin, je sais pas, fin... C'est incroyable. On a presque plus de subs que j'ai de viewers, mec, à cause de vous. Enfin, grâce. Vous êtes incroyable. Enfin, franchement, vous êtes incroyable. Cridel, Brioche, Mika, Estasienne, Korost, Marlène, Monsieur Didi. Et j'en oublie, hein, sale pire. La semaine dernière, j'ai aussi des dingueries, donc vous êtes incroyable. Franchement,
Franchement, merci les mecs. Franchement, merci les mecs. Vous êtes incroyable. J'en ai 30 d'avance. Vous êtes incroyable, putain. Merci beaucoup les gars. Merci à tous d'être là, évidemment, sur le stream aussi. On est plus de 600. Ça fait d'ailleurs plus de 2 semaines, les gars, qu'on se retrouve à plus de... Enfin, à 5, 4, entre 4 et 600 viewers de moyenne. Donc, franchement, je vous remercie tous, l'équipe, de votre soutien. Franchement, vous êtes tous énormes, les gars. Franchement, merci à tous. Sans le vouloir, juste en étant sur le stream, les gars, vous me donnez une force de malade. Et je vous en remercie vraiment, vraiment beaucoup. Ok, on a 3 secondes. Donc merci à tous les gars. N'hésitez pas à follow évidemment, hein, ça coûte rien. Vous êtes énorme. Oh oui, le rebond. Oh oui, Mobamba. Oh oui, Mobamba. Et les gars, on prend 8 points d'avance. Hein. On prend 8 points d'avance. Merde. Je suis concentré les gars, désolé. 1-0-0. Super rebond. Let's go, bien joué ça. 18 points Michael Porter. Hein. Life is good. Putain, mais... Life is good, you know what I mean? 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 Mais gros, mais Corost! Corost, je sais même pas t'as combien en total, faut que je regarde. Attends, c'était écrit tout là-haut. Coros, t'en as offert. Ouais, Coros, il a offert 81 subs au total, hein. C'est écrit là, t'as offert 81 subs. Putain. En fait, t'en as offert 28 cette semaine, mais t'en as offert. Enfin, je m'en rappelais, hein, t'inquiète. Mais je savais plus le nombre exact, t'en as offert 60 la semaine dernière, frérot. Hein. Calme-toi, il a 81, c'est juste que c'est dans le top de la semaine. Ils vont viser les 100, derrière. Putain, mais wesh. Gros, il n'y a pas un soir où il n'y a pas des dingueries en ce moment, c'est un truc de ouf, vous êtes incroyable, franchement. Et le pire, c'est que des fois, il y en a des nouveaux qui se ramènent, tu vois. Genre, Estasienne, la dernière fois, c'était même Marlène, tu vois, hier, qui est arrivé en mode, hey, « Eh, salut, tiens !» Bah, hier, c'était Brioche. Brioche, il parlait jamais sur les streams, frère, il est arrivé hier, il a lâché 100 subs, tu sais. Enfin, il n'a pas lancé 100, mais il a lâché 50 subs, tu vois. Franchement, vous êtes incroyable. Merci beaucoup, les mecs. Je vous remercie du plus profond du cœur, vous êtes incroyable. Merci, mec, merci, Corost. Merci à nouveau à toi, hein. Genre, je vais pas dire encore. Parce qu'encore, c'est du reproche. Et j'ai pas à te reprocher pour ce que tu fais, parce que ce que tu fais, c'est incroyable. Merci les gars. Vous êtes incroyables. Le pire, c'est que je suis claqué de ouf, et... Vous êtes ouf. Oui. GG les gars, victoire. Et le buzzer pour la route. Il est pour toi, Corost. Il est pour toi, Cridel, celui d'avant, et puis il est pour toi, juste avant Brioche, et... Putain. Vive le confinement, bon bof. Vous êtes incroyable. Putain. Bonny Bubber. Bubber, pardon. Bonny, mon pote. Nouvelle victoire, les gars. Enfin, première victoire en finale NBA, 55-46. On a eu un beau match, franchement, on a eu un beau match, je suis content. C'est ouf, de ouf, mec, de ouf. On a eu un beau match. Je suis content du match que je vous ai proposé. Je suis content de mon équipe qui a fait un excellent travail. En plus, avec la avec l'extrapolation et tout, ça risque de donner un match assez dingue.
Mais GG, les gars, on mène 1-0. Essayons d'aller gagner, les mecs. Essayons d'aller gagner ces matchs NBA. Tu dois mettre madame à l'abri et tu dois pouvoir subvenir à tes besoins. PS, je suis pété, MDR, mais deg. Car mes 50 subs ne marchent pas. Une autre fois, t'inquiète pas, brioche. C'est déjà... Et franchement, ce que t'as fait, c'est énorme. Maintenant, ouais, pour le reste, je suis d'accord avec toi. C'est, bah, faut que j'arrive à subvenir à mes besoins. Mais ce mois-ci, les gars, ce que vous avez fait déjà, là, c'est incroyable. On est à 595 subs, les mecs, vous vous rendez pas compte. Je vous dirai à la fin du mois, si vous voulez, vu que ça me dérange pas. Au total, tous les donations de subs, je crois que vous êtes déjà à 900 $, les mecs. Pour moi, dans ma poche, c'est-à-dire que ça vous a coûté plus cher à vous. Vous êtes à 900 $ dans ma poche. Les mecs ont offert des subs. Vous vous rendez compte? Vous avez offert, je crois, 400 subs au total, voire plus, 500, je crois. 500 subs vous avez offert, je crois, à peu près. Ça représente à peu près 900 dans ma poche. Genre, vous avez pratiquement subvenu à mes besoins total, tu vois. Genre, enfin, genre, en gros, c'est mon métier, tu vois, de faire des vidéos, des streams, tu vois. Donc, c'est important pour moi, tu vois. Donc, franchement, c'est la première fois, hein. Donc, sur Twitch, c'est la première fois. Vraiment, pas mal, paf. Ouais, de ouf. Du coup, bon, je reviens. Du coup, l'équipe, machallah, de ouf. Franchement, c'est énorme. Pourvu que ça dure, comme on dit, pourvu que ça dure. C'était le premier mois, maintenant que ça pouvait être tous les mois comme ça. Peut-être pas autant, tu vois, mais tous les mois où j'arrive à tirer quelque chose de pas mal de Twitch, tu vois, ça serait lourd. Ça serait lourd. Franchement, pas ouf les subs. Pas ouf. Il a dit pas ouf. Les amis, on mène donc 1-0 la série face au Phoenix Suns. On va donc simuler les restes, les gars, en espérant gagner. Simuler avec Simcast, comme on fait à chaque fois. Putain, c'est où les minutes déjà? C'est tout à la fin, je crois. Voilà, rotation. Alors, donnez plus de minutes, moins de minutes à Farouk. Donnez moins de minutes à Bradley Beal et plus de minutes à Marvin. Je suis pas trop sûr de ce qu'il me demande de faire en fait. Ok. Merde! Vas-y, bah, vas-y, bah, les cons, on fait pas, on laisse ça comme ça. Allez, go. Oh non, on prend une tôle. 1-1 dans la série, les gars. Oh, on revient. Oh, dommage. 1-1 dans la série, les amis. 1-1 dans la série. On joue maintenant un Phoenix. Ok, on gagne le premier carton. On perd le deuxième. On gagne le troisième. Et on gagne le match, les gars. Let's go, baby. 124-111, les gars. 2-1 pour nous. On joue toujours à Phoenix, hein. On gagne le premier quart. On le gagne même bien bien. On gagne le deuxième. On gagne le troisième. Ça sent très bon. On leur met une tôle là. Ben, on leur a mis une tôle, frérot. 3-1 pour nous. 117-87. Mon Dieu. Bradley Beal 29. Michael Porter 22. Kemba 21. Jimmy 14. Avec 5 interceptions, 2 contres. Oh. Mec, 3 interceptions, Michael Porter. On a une équipe, frérot. Elle est incroyable. C'est peut-être le dernier match, les gars. On gagne le premier quart. On perd le deuxième. On gagne le troisième. On gagne le match. On va gagner, les gars. On va être champion NBA. On va être champion NBA, les amis, avec Washington au bout de la deuxième année. On a donc sauvé l'équipe. Et on finit au top. On pouvait pas finir mieux, ce Parsolet. Content, Bradley Beal, MVP des finales avec 20 points par match. Putain, Parsolet quand même assez long. Là, je vois 2h57. Non, franchement, Parsolet de ouf. J'ai kiffé de ouf, j'ai passé un putain de moment sur ce Parsolet. J'espère que vous avez kiffé aussi ce Parsolet Wizards. J'espère que vous avez kiffé. Le prochain Parsolet, les gars, sera la semaine pro. Et on fera probablement un dérivé. Peut-être un Parsolet Wookie. C'est paf, prenez soin de vous. Plus.